Comment ça va? Coucou Léa, toujours la première. Première de la classe. Comment ça va? Comment tu vas Léa? Ça va bien? Est-ce que ça va bien? Coucou Coccinelle. Comment ça va? Léa, la première de la classe. Coccinelle, la deuxième. Inès, la troisième. Coucou, comment ça va? Ça va bien les filles? Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau aujourd'hui? Ça va super. Oh bah écoute, moi aussi, tu vois, ça va. Ouais, je suis contente. Oui, je suis contente parce que je suis contente parce qu'on va aller en chasse et que j'adore chasser. Donc ça, c'est génial. C'est super chouette. Toujours au rendez-vous, Léa. Ben oui, les autres aussi. C'est bien. Oui, ça va bien. Alors Inès, cette nouvelle île, ça a démarré? Inès, je crois qu'elle a recommencé là, hein? T'as enlevé ton île Far West et puis tu recommences, c'est ça? T'as recommencé? Vous avez vu sur le groupe, sur Facebook. Ah, on n'a vraiment pas eu de bol dimanche, hein, franchement. On a arrêté le live. J'ai mangé et après, je me suis dit, allez, je redémarre un petit coup pour voir ce que ça donne et tout, parce que ça m'enquiquinait de ne pas avoir trouvé ce fameux choco et tout. Et juste après manger, je fais trois îles, la troisième île, bam! Choco, un aéroport orange, des oranges. Bon, j'ai dit, allez hop, hein, on y va. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit en live. Mais du coup, ben, voilà, je l'ai trouvé là. Et puis, il y avait Pansy avec. Donc, j'ai dit, bon, allez, Pansy, c'est bon, quoi. Ouais, pour démarrer, franchement, ça aurait été, on aurait pu tomber plus mal, hein. Ça aurait pu être Choco, je sais pas moi, avec une affreuse. Je me dis, Pansy, elle est rigolote quand même. Puis elle dit sauciflard, hein. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Donc du coup, bon, ça va pour démarrer, je trouve que c'est bien, quoi. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai bien travaillé quand même. Parce que non seulement j'avance sur mon île du Hobbit, et j'espère pouvoir faire ma vidéo demain. Déjà ma première vidéo. Mais attention, hein, je bosse comme une dingue hein, sur cette île du Hobbit. Hein. Vous me connaissez, j'ai des choses hyper précises et tout. Donc ça prend du temps, ça prend un temps de fou. Hein, quand on se réfère à la réalité comme ça, pour faire dans Animal Crossing, ça prend du temps. Hein, faut vérifier tout. Oh là là, c'est pas simple. Hein. Encore aujourd'hui, en faisant mon sport, j'étais en train de regarder le Hobbit, quoi. Et puis, bah pour Miamil. Du coup, je me suis dit,
J'avais laissé comme ça, hein, juste après avoir trouvé Choco. Je veux dire, je suis allée jusqu'au point de sauvegarde et après, j'avais laissé comme ça. Puis après, je me suis dit, ah, le problème, c'est que donc pour ce soir, vu qu'on fait que deux lives par semaine, j'avais pas envie de vous imposer toute la partie nettoyage de la première partie de l'île et puis bah tout ce qu'il faut faire au début pour voilà parce que vous connaissez tous les débuts d'île et puis bon bah c'était un petit peu enquiquinant. Ce qu'on voulait, c'était commencer ce soir directement par les chasses, hein, du coup, hein. Donc je me suis dit, allez, j'avance mille à mille. Jusqu'à ce qu'on puisse chasser, je me suis mise amie, meilleure amie même, avec Coccinelle de Boréal, hein, parce que Coccinelle de Boréal, elle a tout là-bas. Donc, c'est bien d'être amie avec Coccinelle de Boréal. Moi, ça m'arrange bien. Donc, du coup, je me suis mise amie avec Coccinelle de Boréal. Et Coccinelle de Boréal, elle est venue apporter quelques tickets. Et puis, elle est venue aussi apporter des petits vêtements pour Cherry. Voilà, des petits vêtements sympas. Je me suis dit, allez hop, je vais lui, en même temps que les petits tickets, je vais faire pour qu'elle rapporte une petite tenue rigolote pour la chasse. Alors écoute Inès, et ben tu sais quoi? Là, pour le coup, on démarre en chasse. Les trois parcelles ne sont pas posées. Oui, il n'y a pas de quoi, Coccinelle. Les trois parcelles ne sont pas posées, hein, je ne suis pas encore là. Simplement, vous savez qu'on n'a pas besoin d'attendre de poser les trois premières parcelles pour partir en chasse, hein. Je veux dire, à partir du moment où vous récupérez des tickets, vous pouvez partir en chasse. Sauf que en chasse, eh ben, vous n'allez trouver que des paresseux, des vives et des normales, hein. C'est ça le truc, quoi. Donc, je me suis dit, allez hop, coucou Laetitia, comment ça va? Ok, d'accord, ben écoute, pas de soucis, ça marche, ça fait plaisir de te voir. Oui, je disais que on va partir, les parcelles ne sont pas posées, mais les habitants qu'on va trouver sur les îles, ce sont les habitants qui seront sur les parcelles qu'on préparera après. Donc, au début, bah, on aura sur les premières îles, le temps qu'on trouve quelqu'un, on aura les trois choix, c'est-à-dire paresseux, vive et normal. Quand on aura trouvé un des trois là, ben, il n'y aura plus que les deux autres choix. Puis quand on aura trouvé deux, eh ben, il n'y aura plus que le dernier choix, quoi. Donc dans les trois, alors bon, ce serait vraiment l'idéal si on pouvait trouver trois ce soir, c'est-à-dire le paresseux, la vive et la normale. Alors j'ai regardé un petit peu, on a énormément de choix. On ne va pas se prendre le chou. On a énormément de choix en vive et en normale. Le problème, c'est pour les paresseux, parce que j'ai regardé, et pour les paresseux, franchement, c'est pas top top, hein, au niveau pour une île gourmandise, hein. J'ai regardé. T'adores tout ce que t'as fait sur ta nouvelle île, Inès? Bah écoute, génial, super, ça démarre fort alors. J'ai regardé un petit peu au niveau des paresseux, hein, on a encore vite fait le tour, hein. Qui est-ce que j'ai vu? Bah, on avait dit Guido l'autre jour. Franchement, si je trouve Guido, je le prendrais peut-être parce qu'il dit pain d'épices, il ressemble à un petit pain d'épices. Donc, voilà, si on venait à le trouver, je le prendrais peut-être, je ne sais pas, on verra. Après, j'ai regardé au niveau des paresseux, on a quand même vite fait le tour, hein. Ça pourrait être éventuellement Grignotte. Mais voilà, c'est juste le nom Grignotte en fait, hein. Il a rien d'autre. Voilà, mais bon, bah, Grignotte. Pourquoi pas, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, il y a Civet. Mais Civet, j'accroche pas trop avec Civet. Je l'ai déjà eu une fois et j'ai trouvé qu'il n'était pas très souriant comme petit lapin. Civet. Après, voilà, bon, c'est vrai, Civet, mais bon, après, c'est pas gourmand, au niveau gourmandise, c'est pas top non plus. Qui est-ce que j'avais vu d'autre? Il me semble qu'il y en avait encore un autre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qui aurait pu fonctionner dans les paresseux? Il n'y a pas grand-chose, hein, en paresseux, hein. Franchement, bof bof, hein, je sais pas trop. Donc on va y aller au petit bonheur la chance, hein. Et puis on verra bien. On va y aller au petit bonheur la chance et puis on verra bien. On verra bien sur qui on va tomber. Par contre, en vive et en normal, on a du choix, donc je pense qu'on trouvera plus facilement. On devrait trouver plus facilement.
pour la vive et la normale, pour le coup, hein. Et puis on prendra, voilà, parce que pour la vive et la normale, voilà, on a du choix, hein. On a amandes, on a cookies, on a sucrètes, on a candy, on a pâtis, on a marine, on a pécan. On avait dit peut-être coco éventuellement, il y a cachou, il y a melba, il y a ketchup, il y a chai aussi. Oh là là, ça fait... Coucou Rosilda, comment tu vas? Tu dois y aller, vous allez manger chez... Oh bah voilà. Eh bah écoute, tu regarderas le live en replay, Inès. Ah c'est dommage. Mais bon, après, hein, je comprends, je veux dire, voilà, on va manger, hein, c'est normal. Hein. Attendez, j'ai l'impression que... Comment je suis là au niveau de la lumière? J'ai l'impression que je suis pas très... J'ai l'impression que je manque un peu de lumière. Ouais, c'était un peu mieux comme ça. Voilà. Regardez comment je suis. C'est Coccinelle de Boréal qui m'a... Oui, ça va bien, Rosilda. Regardez, c'est Coccinelle de Boréal qui m'a rapporté une petite robe, des tongs et puis une petite épingle, des biscuits et un petit sac aussi, franchement. Ça s'appelle une robe bonbon en plus. J'ai vu ça sur Boréal, je me suis dit, allez hop, je vais lui ramener ça, ça va être rigolo. Petite robe bonbon comme ça, hein, pour aller en chasse avec sa petite quenotte là, je la trouve tellement rigolote. Elle est marrante. Bon, alors, oui, ben oui, les chasses, moi j'adore ça. C'est ça, comme on disait, hein, j'ai toutes les cartes à nouveau, mais moi j'adore tellement aller en chasse. J'adore tellement aller en chasse que de toute façon, voilà quoi. Mais c'est bien, on peut papoter en même temps, en plus c'est génial. Eh ben écoute Inès, a passé une bonne soirée. Et puis bah si jamais vous mangez très vite, au pire, tu reviens. Hein. Tu dis ça. Mais bon, non, je rigole en fait. Bon alors, on a notre ami là. Ah tiens, allez, Gulliver, pour la première fois. Bon allez, on va lui faire sa petite quête. Démarrer le temps que tout le monde arrive. Allez, réveille-toi mon grand. Allez. Allez. Réveille-toi. Voilà. Tu as ma pizza avant ananas. Non, il n'y a pas de pizza. Allez, puis alors on y papote. Hein. Allez, on fait du blabla. Allez, blabli, blabli. Là. Ouais, bon, ça va marcher. Donc, on va aller chercher. On va aller chercher des petits repas. Allez. Je vous ai pas oublié. Bah, j'espère bien, Laetitia. Allez, c'est parti. Comment vous la trouvez, ma petite Cherry? Elle est rigolote, hein. Habillée comme ça, franchement. Allez, on se prend la petite pépelle. Ah ouais, en plus, j'ai Pansy qui m'a donné une pelle normale. C'est cool, comme ça, du coup, j'ai deux pelles. On va prendre la rudimentaire. Du coup, j'ai une pelle solide. Je vais la garder. Je les ai mises sur la plage avec moi, hein, pour le moment. J'ai fait mon premier agrandissement de maison et puis je les ai mis, j'ai mis Choco et Pansy sur la plage. Est-ce que je peux montrer ma carte? Ouais, bien sûr que je suis bête, je pense jamais. T'as bien fait de demander. Attendez, non, c'est pas ça que je suis. Voilà, c'est là, je me suis trompée. Regardez cette carte, comment elle est bizarre. C'est la première fois que j'ai une carte comme ça. Avec des rivières comme ça, très à l'horizontale et tout. Hein, vous trouvez pas que c'est bizarre? C'est la première fois. Et puis juste les montagnes comme ça dans le coin droit au-dessus. Hein, vous trouvez pas qu'elle est bizarre un peu l'île? Je trouve moi. Hein. Et puis du coup, bah, on est quasiment tout droit par rapport à la mairie. On va pouvoir se faire une jolie allée là. On va pouvoir se faire un truc sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bizarre cette carte, hein? C'est la première fois que j'avais une carte comme ça. Je trouve que c'est la forme, les rivières qui sont, elles sont très horizontales et tout. Bon, alors, du coup.
couche et puis ce que je fais, oh c'est joli, coucher de soleil et tout. Bon, j'avais jamais vu cette carte, j'ai dit bon allez hop, hein. En plus c'était choco, c'était nickel quoi. Mais qu'est-ce que je fais là moi alors qu'on cherche des circuits pour Gulliver, hein, franchement. Allez, j'espère qu'on va les trouver rapides. Il y en a un là déjà. Eh ben évidemment ça démarre par une palourde. Ah ben oui, mais c'est sûr Laetitia, hein, après, je veux dire, voilà, hein, chacun, c'est vrai que les thèmes, hein, c'est des trucs, moi, tu vois, par exemple, et eh ben, je vais t'arrêter par le soleil, hein. Moi, par exemple, et eh ben, voyez, je dis, quand, comme ça, une île gourmandise, le thème, il est beaucoup plus ouvert, et eh ben, moi, je suis un peu plus perdue à faire une île comme ça, c'est bizarre, hein. Parce que je crois qu'en fait, quand je prends un thème qui est très précis et très fermé et tout ça, ça me rassure quelque part. Et du coup, j'ai des idées exactes des coins que je veux faire et tout. Alors que là, on part de rien et je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il va falloir que je note un petit peu, puis que vous me donniez des idées de coins aussi à faire. Parce que voilà, moi j'ai tellement l'habitude de faire des thèmes hyper précis, où on n'a pas trop le choix, on n'a pas le choix des coins, quoi. Et qu'il faut faire ce qui existe vraiment, que là, quand du coup ça n'existe pas et qu'il faut tout inventer, je suis un peu plus perdue, je vous avoue. Hein. C'est bizarre, mais bon. Oh, j'en ai marre, je n'ai pas de palourde, nom de bleu. Donc, là, je me dis, il faut qu'on arrive à trouver ce qu'on va faire, quoi. Alors. Je sais pas, il faut qu'on regarde si on fait on va faire des coins, je sais pas trop, je sais, pour le moment franchement vous avez vu que je sais pas trop, et puis comme c'est comme malgré tout il y a Miami dans l'histoire, j'aimerais bien que ça reste un petit peu un peu tropical et un peu vacances quoi. J'aimerais bien quand même que voilà, on ait quand même cette ambiance là pour le coup. Donc je sais pas trop, on va voir. Bon, j'ai une perche, hein, donc je peux aller de l'autre côté. Ouais, sauf que j'ai plus de place déjà, moi. Ah ouais, de toute façon, ils se mettent ensemble, les trucs, donc ça va. Une niche, c'est parti. Ah ben, il me la fallait sur Adopine, celle-là, tiens. Puis je la chope ici. Allez, nous, on va passer de l'autre côté. L'autre côté, c'est pas propre, hein. Je vous préviens. Je n'ai pas le temps. Déjà que j'ai tout pêché pour le musée et tout, le musée il est en train de se construire là. Du coup. Alors. Déjà 3. Allez, on finit la petite quête de Gulliver et après on part en chasse. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'il y en a par là? Oui, là. Zou. Allez, plus qu'un dernier et on est bon. Alors, on va peut-être repasser de ce côté-là, on va bien en trouver un. Ils en ont plus qu'un, donc ça devrait aller. Hein. Là. C'est bon, ça va être celui-là. On va regarder. Yes. Allez, c'est cool. On a fait la première quête de Gulliver. Du coup, on va lui redonner tout ça. Allez. On peut lui donner la coupelle. Là, on sait jamais. Petit à coup, il va nous donner quelque chose de chouette en cadeau. Un sphinx du désert, par exemple, on n'a pas besoin. Oh, des fois, ils me donnent des trucs moches. Hein. Je sais que c'est des trucs rares, des objets, mais des fois, c'est moche, quoi. Bon, allez.
C'est tout bon. En plus, on se prend des petits maïs. Tant mieux. Hop là. Si ça se trouve, on va peut-être tomber sur des habitants auxquels on pense pas. Je vais aller ranger un petit peu mes poches là parce que j'ai pas beaucoup de place pour le moment. J'ai pas beaucoup de place. Alors voyons voir, je crois que Chachalou m'a passé un message. Est-ce qu'elle va venir ou pas ce soir? Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau? Chachalou. Ok. Ouais. Voilà. Bon, je sais pas, elle m'a pas dit si elle venait ou pas, donc on verra bien. Alors, donc, on range. Mais allez, on range le bois, on n'en a pas besoin. On range... je vais ranger la pelle, là. Voilà. On va ranger les palourdes. On pourra se faire des appâts avec. On va ranger... dans les branches, je vais les garder. On ne sait jamais si on trouve des trucs intéressants à pêcher et qu'on casse notre canne à pêche. Allez savoir. Bon, allez. On est parti, les gens. On est parti sur la chasse de... d'une vive, d'une normale et d'un paresseux. Paresseux, je vous dis, c'est ce qui sera le plus compliqué. Les autres, franchement, ça devrait le faire. Hein. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. J'aime bien le bruit qu'elle fait avec ses petites tongs. Coucou, Audrey, comment tu vas? Ça va bien? Merci, merci, c'est Ben, c'est ça? C'est Ben 93, merci pour le follow, c'est gentil. Tom Nook m'a confié un ticket. Ah ben, c'est bien, ça nous en fait un de plus comme ça. D'accord, pas de soucis, Laetitia. Je veux voyager. Allez, c'est parti. Tu as recommencé une ville sur une de mes îles comme ça, une centaine. Une thème astronomie et une schistostega. Ok, et ben cool, écoute, nickel. Ah, je pensais que ton île astronomie, c'était aussi celle où tu avais mis les schistostega. En fait, non, c'est deux îles différentes. D'accord, j'avais pas tout compris. Allez, hop, on est parti. En plus, on est toutes jolies et tout. On devrait le faire. On devrait trouver des mignonnes ce soir. J'espère, en tout cas. On va voir. Hein. De toute façon, une chasse, c'est de la chance ou pas. C'est-à-dire qu'on va voir tout de suite si on est dans une bonne, si on est dans un bon truc là au niveau de la chasse. Hein. Ça va se voir direct. Hein. Déjà, j'aime bien le coucher du soleil. Le soleil m'énerve. Attendez, j'ai le soleil qui m'énerve au niveau de ma fenêtre. Je vais baisser un petit peu le... Oh, je baisse un petit peu le rideau. Voilà, ça va aller mieux. J'avais le soleil. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. T'as recommencé. Alors attends, pour les chemins seulement schistostega et pour thème astronomie. Ok, d'accord. Alors coucou, c'est Ben. Oh bah tu sais, on fait pas que ça, hein. On fait pas que ça, c'est Ben. Tu nous connais ou pas? Ou c'est la première fois que tu viens et voilà. Parce que on fait plein de choses. Hein. On est sur Facebook, groupe Facebook Animal Crossing qui s'appelle ACNH Rêve de Villageois. Si jamais tu veux nous rejoindre, tu vois tous les gens qui sont dans le chat quasiment, ils sont sur le groupe Facebook. On se connaît tous du coup. Et j'ai deux chaînes sur YouTube, Coccinelle, donc comme ici. Ouais, t'es déjà dans le groupe? Eh ben génial! Comment tu t'appelles dans le groupe? Qu'on sache qui tu es. Comment tu t'appelles dans le groupe? C'est important parce qu'après, comme ça, on remet les gens, on se dit « Ah oui, oui, c'est... » Comment t'as... Parce que les pseudos sont différents du coup, donc on sait plus où on en est. Ton prénom, c'est Bénédicte. Ok, d'accord. Ah. Et voilà notre Chachalou international. Moi, t'arrives juste pour la première chasse, hein, Chachalou. T'arrives juste pour le début. Comment ça va?
Comment ça va? Allez, go! Oui, je disais que j'avais une chaîne YouTube qui s'appelle... Deux chaînes YouTube. Coccinelle Gaming et puis Coccinelle Bricole. Alors, ça, c'est Karen qui est très moche. Bon, ça commence pas fort. Tu vas pas rester longtemps. Qu'est-ce que t'as de beau de prévu? Raconte-nous. Donc, Karen, non. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je prendrais bien quand même des pierres, moi. Hein, parce que les pierres, c'est pas toujours évident. Et en plus, oh là là, il aurait presque fallu que je fasse un peu de casse de cailloux dans l'histoire. Hein. Parce que je suis pas forte pour casser les cailloux. Je suis nulle. À chaque fois, petit coccinelle, il me dit t'es nulle pour casser les cailloux. Ça y est, je sais pas faire les trous comme il faut. Là, je suis pas bien, là. Je veux pas lui faire mon... Non, mais là, je suis beaucoup trop loin. Non, mais si c'est pour qu'on y passe 3 ans, de toute façon, je peux pas faire ça. Hein. Parce que là, je vais y passer trop de temps. Je vais faire n'importe quoi. En fait. Parce qu'il faut que je réunisse tout pour le magasin. Bon, allez, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Je sais que c'est moche. C'est pas bien, les trous, comme je les ai fait, mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir un petit arrêt. Ouais, parce que là, pour le magasin... Hop, pépite d'or. Pour le magasin, franchement, les pépites de fer, c'est toujours ce qui manque au début, parce que les branches, le bois... Ah non! Quoi? Ah, j'ai eu peur. C'était ma pelle qui cassait. Vous faites une soirée série, c'est ça, Chachalou? Vous êtes tous les deux en repos. Ok, ça marche. Ouais, je disais, les pépites de fer, il en faut beaucoup hein, pour faire le magasin. Et c'est toujours ce qui nous manque. Hein. Pas toujours évident, ça. Hein. Et ben, c'est bien, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je suis nulle pour faire les trous de... Pour le truc, là. J'ai un moustique qui me tourne autour en plus. Non mais là en fait j'ai bien fait mes petits autour de la terre. Ouais. Bon bah ça fera quand même quelques petites pépites. Hein? Parce que. Ouh, le moustique va me piquer. En plus je n'ai pas osé celui-là. Ça m'énerve quand il me tourne autour comme ça. Bon allez, on fait juste comme ça une ou deux paires de temps en temps. On vérifie qu'il n'y ait pas de bouteille. Et puis c'est good. Allez, c'est parti. Parce qu'il faut casser les pierres, mine de rien, pour avoir 30 pépites de fer. Hein. Les bois, c'est pas pareil, hein, parce que voilà, on tape dans les arbres, puis ça va vite, quoi. Coucou, crevette! Ah ben voilà, tu manquais. Tu manquais dans la brochette, là. Dans la brochette des gens du chat. Il manquait une crevette. Oh, puis on aime bien avoir crevette, hein, parce que bon, quand il y a des décisions à prendre, crevette, elle est juste indispensable quand on a des décisions à prendre. N'est-ce pas? Crevette, voilà, si tout le monde dit blanc, c'est la seule qui va dire noir et du coup, bah, ça crée des débats, c'est bien. Ça donne de l'animation. Oui, oui, ma crevette. On rigole. On rigole, les gens. Regardez, avec le coucher de soleil, je trouve que l'avion, la couleur orange de l'avion, elle est super jolie en fait. Elle ressort bien. Le orange de l'avion, je trouve qu'il sort super, super bien. On va ranger notre pelle pour le moment. On va voir si on a de la chance, hein, les gens. Alors. Où est... Attends, peut-être que je prenne des noix de coco aussi, j'en ai pas. Du coup. La maman poisson avec ses bébés poissons, j'ai vu.
Je cherche qui? Eh ben écoute, tu sais, j'ai même pas posé Chachalou, j'ai même pas posé mes trois parcelles, c'est ce que je disais. C'est simplement que les trois premiers habitants que je vais trouver, là, vu que j'ai des jeux. Coccinelle de Boréal est venue donner des, gentiment des petits tickets à Cherry. Donc du coup, eh ben, on peut partir en chasse et les trois qu'on va trouver là, ils seront sur les trois premières parcelles. Donc du coup, on va trouver juste des paresseux, juste des normales et juste des vives là. On ne peut pas trouver autre chose. Eh ben, du coup, le perso, elle s'appelle Cherry et puis l'île, elle s'appelle Miamil. Miamil, c'est rigolo, hein. Miamil, c'est rigolo, ça fait un chouette jeu de mots, hein. Oh mon Dieu, c'est quoi lui là? C'est col vert, c'est ça? Il est pas très beau, hein. J'aime bien les canards, mais là lui, puis en plus c'est un vrai canard puisque c'est un col vert, mais je le trouve pas très beau, quoi, pour le coup. J'ai de la place pour des noix de coco. Oui, on va se prendre des... Ah, il y a une bouteille, tiens. On va se prendre des noix de coco, les gens, parce qu'on n'en a pas. Donc, c'est l'occasion ou jamais de se prendre des petites noix de coco, parce qu'il va nous en falloir, hein. J'ai déjà chaud, je vous dis pas. Ça, c'est le PC avec les lumières et tout. Plus le soleil derrière la fenêtre. On a vite chaud, hein, je vous le dis, hein. Laetitia, elle s'occupe de son chien et de son loulou. Bah, vous savez, en même temps, moi, là, cette semaine, loulou n'est pas là, mais j'ai quand même les chiens. Et mon chien a été à nouveau malade. Je vous l'avais dit sur Facebook, hein. Ah, punaise. Deux nuits, enfin, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, quoi. Ah là là, 3h30 du matin. Et on passe 1h30 à nettoyer toute la maison. C'est cool. Tu joues plus trop sur la Switch. Moi, je ne joue que sur la Switch. Voilà. Du coup, j'ai fait une liste d'habitants. Ben, pas tant que ça, Léa, parce que je te dis, là, on trouve que des normales, des vives ou des paresseux. Et puis, ma foi, eh ben, on verra bien. On verra bien. On a dit au niveau petit bonheur la chance. J'ai dit, c'est dans les paresseux qu'il y a le moins de choix. Donc, on verra. Il y en a peut-être un qui va nous... Franchement, dans les paresseux, si vous avez des idées pour une île gourmandise, je veux bien, parce que c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. AVC, ton chien? Non. Mince, et ça va? Au final? Ah, zut! Vous mangez quoi ce soir? Riz pour coccinelle. Patchy, en vrai, tu trouves qu'il va bien? Quoi? Ah, il faut me donner la raison, hein, parce que sur une île gourmandise, il faut me donner la raison. Hein. Ça va ton chien, Laetitia, du coup? Pizza maison, mozzarella, ricotta. Et ben voilà, tiens. Parfait. Et j'ai pris la bouteille à la mer tout à l'heure. Ah oui. Du coup, je l'avais pas prise du coup. On va les ouvrir parce qu'autrement, on n'aura plus de place dans nos poches. Allez. Qu'est-ce donc? Un mur sylvestre. Pas dit qu'on en ait besoin. Ensuite, allez, on veut des plans pour une île gourmande. Panneau en bois S, ouais, bon, ma foi, voilà. Hein. Ah, d'accord. Mais il est âgé, je crois, ton chien. Si je me souviens bien. Il n'est pas tout jeune, hein. Quand on tombera sur l'île où on a d'autres fruits que les oranges. Ah oui, 14 ans. Oui, j'avais pensé un petit peu à Marvin.
J'avais pensé un petit peu à Marvin aussi. Et puis en plus, on le trouve souvent en chasse, Marvin. Oui, bah évidemment, c'est un vieux chien, quoi. Irène, alors elle est mimi, hein, mais Irène, ça va pas pour notre île, hein, mais elle est toute mimi, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, à mon avis, on va voir des mimi, hein, parce que entre les normales et les vives, forcément, il va y avoir des personnages mimi. Hein. Oui, c'est un plat japonais. Oui, t'es complètement. J'avais pensé à Marvin. Donc on verra bien. Et en plus, Marvin, il se trouve facilement en chasse. Hein. Moi, généralement, quand je fais des chasses, je sais pas vous, mais moi, je lui tombe souvent dessus. Hein. Marvin, Marina, on les trouve souvent, en fait. Écoute, je vais mettre Patty. On va voir ce qu'on va trouver. Déjà. Parce qu'on a beaucoup de choix, hein, quand même, entre les normales et les vives. On verra bien. Normalement, oui. Normalement, oui. Ce soir, chez nous, c'est tout simple à manger. C'est, alors, Laetitia, lasagne maison aux chèvres et chorizo. Waouh, ça doit être trop bon, ça. C'est une recette à toi ou t'as pris ça sur Internet, hein? Ça doit être bon, hein. Ça me donne envie, rien que de voir le titre de la recette. Chez nous, ça va être tout simple, ça va être tomate, mozzarella, jambon. Voilà! Non, mais quand je fais des lives, je ne fais jamais des choses trop compliquées. Hein. Une recette à moi. Mais écoute, franchement, ça donne l'eau à la bouche, quoi. Ça me donnerait presque envie. Ah, mais non! On vient à peine de démarrer, on l'a déjà eu deux fois, elle. Tout ça. Tarte fraise maison. Pipirate, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça? Ah non, ça fait déjà deux fois la Karen, là. En plus, j'aime pas trop celle-ci. Pourquoi elle? Et pourquoi couper une île de mouton, pourquoi? Chajalou, elle t'a donné envie de mozza. Ok. Nous, pizza c'était hier soir. Bon, après, on va peut-être se calmer un peu, hein, tout ça. Hein. J'ai envie de me mettre un peu au régime. Je fais du sport, mais il faut faire régime en même temps, autrement ça marche pas. Hein. Ouais, on aimerait bien se débarrasser un petit peu de quelques bourrelets là, avant l'été. Ça serait bien. Ah ok, non, Call of Duty, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur le chat qui jouent, moins que, mais bon, je sais pas trop. Chachalou, tu détestais la mozzarella avant, et tu deviens... Et puis je deviens une vieille personne. Oh, j'adore, une vieille personne. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que je devrais te dire, moi? Moi j'adore la mozzarella, c'est trop bon. Et Petit Coximel, il adore ça aussi. Sur les pizzas, c'est trop bon. Même comme ça sur les tomates avec juste un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de sel, des herbes et tout, c'est nickel. Hein. Et toi avant c'était la courgette que t'aimais pas et maintenant t'aimes trop. Ouais, courgette, comme si comme ça moi. Par exemple, tiens, il fait chaud. Bah ouais, hein. Bah écoute, il te fait normal. Moi je trouve que là par rapport aux températures qu'on a eues, c'est plutôt cool en ce moment. Hein. Moi, je trouve qu'on respire, hein, par rapport à ce qu'on a eu avant. Hein. Ah, moi, ça me va bien comme ça. Un petit peu de pluie et tout. Moi, c'est nickel. J'ai pas besoin d'autre chose. Ah, tiens, Bernard Lermite, j'ai pas ça. Bon personnage, là. Ah, je le sentais. Je me suis dit. Je vais hésiter, s'il y a un paresseux sur lequel je vais hésiter, ça va être Guido. Et à chaque fois que je sais que je vais hésiter sur un habitant, je lui tombe dessus. Mince. Vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi
Vous en pensez quoi de Guido? Je ne vais pas savoir quoi faire là. Je l'aime vraiment beaucoup. Hein. J'adore Guido. Hein. Je l'ai pris sur. Je suis tombée dessus quand j'ai fait mon île Nouvelle-Zélande. Et j'avais pris Guido alors qu'il ne me plaisait pas forcément au début. Et j'ai adoré Guido, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Oh là là, il se promenait avec un petit chapeau fraise sur la tête. Et franchement, il était tellement rigolo. Et ben voilà, je me suis fait piquer par un moustique. Bon, c'est pas grave. Hein. J'en pense rien, le dit crevette. On le prend pas? Ou si jamais on trouve personne d'autre et que je lui tombe à nouveau dessus, on prendra peut-être la deuxième fois à ce moment-là. Aïe, 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 bébête que j'aime pas. Là-bas. Là-bas. Là. Là. Il fait du bruit en plus. Vous l'entendez? Il fait tchac, 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 comme ça. Je sens que je vais me faire piquer, je suis mal placée. Ah, j'ai tapé. J'ai vu que j'étais mal placée. N'importe quoi. Ah, tu vas chez un chalou au moment où je me fais piquer. Mais voilà, pourquoi je les aide pas ces bêtes-là? Oh, n'importe quoi. Je me fais piquer par un moustique. Je me fais piqué par un scorpion. Ah, puis il y en a encore un autre là-bas. Pourquoi il y a des scorpions comme ça, les gens? Regardez. Pourquoi il y a des scorpions comme ça? Vous savez, hein? C'est bizarre, non? Oh, puis il est planqué derrière l'arbre. Bon, franchement, il me fiche trop là comme celui-là. Oh, mais non, il s'est barré. Pourquoi il y a des scorpions comme ça? C'est pas une île de scorpion. C'est bizarre, non? Bonne soirée, Chachalou. Bisous, bisous. Tu regarderas en replay. C'est bizarre, il y a des scorpions comme ça. Vous ne trouvez pas? D'habitude, il n'y en a pas comme ça. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Très bizarre. Bref, bref, bref. Hein, c'est bizarre, non? Parce que d'habitude, pour avoir plusieurs scorpions, il faut être sur une île aux scorpions. Une branche coupée, ouais, génial. Bon, allez, donc on prend pas Guido. On dirait un petit pas de pisse qui ne dit pas de pisse en plus. C'était la forme de l'île aux scorpions, tu penses? C'est possible, hein? Il semblait que l'île aux scorpions, c'était plus... Qu'il y avait plus des... On pouvait rentrer au milieu comme ça, non? Avec des falaises de chaque côté, on pouvait rentrer au milieu. J'ai déjà tombé sur une île aux scorpions comme ça, où il y a des falaises de chaque côté, on rentre au milieu, en fait, et on a le milieu de l'île comme ça, et c'est plein de scorpions. Mais il me semble que j'ai déjà vu une île aux scorpions, mais c'est pas moi, non? Mais en même temps... pour le coup, sur mes îles, en ce moment, le soir, je tombe souvent sur plusieurs scorpions. Alors qu'avant, on n'en avait qu'un. Enfin, il semble. Ils ont peut-être mis plus de scorpions et plus de tarentules, j'en sais rien. En tout cas, là, il y en avait. J'aime pas ces bêtes-là. En plus, ils faisaient comme ça. J'adore la couleur de mon avion. J'ai pas eu trop souvent, je crois, d'aéroport orange. Parce que j'aime bien la couleur de l'avion, là, c'est chouette. Alors, oh là là, je vois un grand nez. Ah mon Dieu! Comment s'appelle-t-elle-t-il? Karina? C'est ça? Mathilda? Mathilda, c'est ça? Bref, on ne va pas trop se tarder. De toute façon, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Vérifie juste s'il n'y a pas de...
C'est joli la luminosité à cette heure-là. Hein. Pas sympa. Allez, c'est parti. Bon, les gens, vous en êtes où, vous? Vous faites toutes des îles en ce moment? Vous en êtes où au niveau de vos îles? À part ceux que je sais, bien sûr. Est-ce que les autres, vous faites des îles, vous avez recommencé des îles, des nouveaux thèmes et tout? Inès, qui est partie, du coup, là, elle a démarré au médiéval. Hein. Je pense que ça va être chouette. Hein. Ça va être sympa. Hein. Non, je suis pas sur la OLED. Je suis sur la Switch Mario. La rouge. Là. J'ai une Switch OLED. J'ai une Switch Animal Crossing. Une Switch Super Smash Bros. Et une Switch Mario. À moi. Ben non, là, je peux pas être sur la OLED, crevette. Sur la OLED, c'est Avatar, on le garde, Avatar. Ah, non. Ah ben non. Non. Je vais dire une bêtise. Non, c'est Mounia. Mounia, non. Elle est Mimi, hein, comme tout, hein. Mais non, on va pas prendre Mounia. Et sur une des gourmandises, ça rime à rien. Mais elle est toute Mimi, hein. Tu viens de refaire sur le thème pirate? Eh ben, tu sais quoi? Là, comme on avait suivi l'affaire Johnny Depp et tout, je me disais, ah là là, ça me tenterait presque une île pirate des Caraïbes. Je sais qu'il y en a plein qui ont déjà fait. Bon, peut-être même pas tant que ça. J'en ai pas vu tant que ça, en fait. Les îles pirates des Caraïbes, pas tant que ça. J'ai envie de prendre des bambous. On va en avoir besoin, hein. On va se prendre, après ça surplante et tout ça, donc on va se prendre des pousses de bambou là, pour replanter des bambous. Ton île, elle s'appelle Tortuga. Eh ben tiens, tu vois Chachalou qui vient de partir, eh ben elle avait une île qui s'appelait Tortuga aussi, comme ça. C'est cool. Ah mais ça m'aurait tenté, je me dis, oh quand même. Ça doit être sympa de faire Pirates des Caraïbes. Après, moi qui suis très précise dans les thèmes, il faudrait que je cherche... si je faisais un jour Pirates des Caraïbes, il faudrait que je choisisse un des Pirates des Caraïbes. Après, c'est compliqué autrement. Et en fait, Léa, est-ce que t'as regardé Le Hobbit? T'étais partie pour regarder Le Hobbit l'autre soir. Eh ben, on voulait en reparler. Est-ce que t'as regardé ton Hobbit, Léa? Moi, je vous dis, je le connais par cœur, mais du coup, j'ai commencé à regarder à nouveau cet après-midi, parce que quand on regarde un film dans l'optique de faire une île, on ne le regarde pas de la même façon. Moi, quand je regarde un film dans l'optique d'être très précise sur un thème d'île, je regarde... les décors, je regarde plein de choses qu'on regarde pas forcément quand on regarde juste le film comme ça, quoi. Oh, mon Dieu, Léa, c'est... Non, j'y crois pas. Je suis endormie. Oh, Dieu, alors, on s'endort pas devant le Hobbit, c'est interdit. Ouais, je veux dire, si t'avais regardé un peu plus longtemps, tu n'aurais pas dormi, parce que après ça commence à remuer. Quand ça commence à bien remuer, normalement tu dors plus. Hein. Au début, je te l'accorde, mais après non. Mais j'espère que vous connaissez le Hobbit, hein, parce que là je vais poster ma troisième vidéo sur mon île du Hobbit. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Et que voilà, mais après il faut connaître les films, parce qu'autrement, Gabin, pas du tout. Ça ne rime à rien pour nous. Ouais, faut regarder. Après, je sais bien, hein, je veux dire, pour le Hobbit, faut aimer le fantastique. Hein. C'est comme pour Harry Potter et tout ça, hein, je veux dire, il faut aimer. Hein. Pas de soucis, Fille Pirate, t'inquiète pas. On est là. On
s'en va pas. Je pourrais déjà avoir mon parrain d'eux. C'est vous qui n'avez pas voulu que je le prenne. Vous voulez qu'on prenne Marius? On avait dit qui? On avait dit, il n'y a pas de grand choix en paresseux. Hein. On avait dit Marvin, Grignotte, pas sûr hein, du coup. Hein. Et puis on avait dit Civet, je suis pas sûr du tout. On avait dit Thibaut. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre en paresseux? Ça va être Marvin. Hein. En plus, si on fait un truc un peu exotique, franchement, Marvin, il passerait bien, quoi. Je cherche quel habitant? Eh bien, écoute, on est vraiment au tout début de l'île. On n'a même pas posé les trois parcelles. Mais quand on a des tickets, ben, on peut déjà aller en chasse. Et du coup, on ne trouve que des paresseux, des vives et des normales quand on démarre. C'est pour ça que j'aime bien faire ces chasses-là. Parce que du coup, c'est déjà bien ciblé. Je veux dire, on ne trouve que trois caractères différents. Là. Donc c'est cool. On trouve encore relativement facilement ce qu'on veut, je trouve. Donc là, bah, du coup, on cherche un paresseux, une vive et une normale qui vont pour une île, qui marchent pour une île gourmandise. Voilà, voilà. Tu t'as jamais regardé Crevette, les Hobbits? Ah, mais non, mais franchement, regardez. Si vous aimez un petit peu ce qui est fantastique, franchement, regardez en plus le Hobbit. Par rapport au Seigneur des Anneaux, hein, qui, bon, je veux dire, voilà, c'est le même genre de truc, mais les Hobbits, par rapport au Seigneur des Anneaux, les Hobbits, c'est très rigolo. Donc, c'est bien. Non, franchement, c'est très marrant. Ah, le Capri de tous les Capris, de toute façon, il ne sert à rien. Donc, salut Capri! Salut Capri! Oui, les Hobbits, c'est très rigolo. Mais si vous voulez comprendre mon île des Hobbits, et si vous voulez regarder les vidéos et tout, parce que je vous assure que ça va être hyper précis. Hein. J'en suis à respecter la carte de la Terre du Milieu et tous les trucs comme ça. Hein. Donc je vais vous faire un truc, mais hyper précis. Hein. Et je bosse vraiment comme une dingue. Hein. Ça va pas avancer très très vite, du coup. Même si j'ai déjà fait plein de trucs, mais c'est parce que je suis extrêmement précise. Hein. Je ne vous dis pas ce que j'ai déjà fait, pour ceux qui connaissent le Hobbit. Vous verrez dans la vidéo. Je suis très contente de ce que j'ai déjà fait, franchement, ça rend super bien. Bien, bien, bien travaillé. Hein. J'ai passé tout le week-end dernier. Oui, j'avais pensé à Miro. J'ai pensé à Miro, mais Miro, c'est un jouet, quoi. J'ai plus pensé à une île jouet qu'à une île gourmandise, non? J'avais pensé à Miro, hein. Je me suis dit, Miro, il irait presque, quoi. On va tomber sur Miro. Non, je... Ah, Sucrète. Sucrète, hein, c'est ça? Attendez, je crois. Sucrète. Elle était dans la liste. Pas dans mes préférés, mais elle est dans la liste. Sachant qu'on pourra venir les autres après. Hein. Sucrète, si je ne m'abuse, elle est vive, je crois. Attendez, on va aller la voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous dire ce qui me gêne chez Sucrète. Elle est sur ma liste. Hein. Je vais vous dire ce qui me gêne. Ce qui me gêne chez Sucrète. Hein. Attends, sois ma cocotte. Parce que je vais montrer quelque chose aux gens. C'est qu'elle a la bouche de travers. J'ai du mal avec ces habitants qui ont la bouche de traviole. Genre Grisette, genre Anna. Non, c'est même pas ses yeux. Parce qu'on dirait qu'elle a des gros bonbons sous les yeux, donc au pire, ça va. C'est la bouche de travers, moi, qui me gêne. Mais, faut bien reconnaître qu'au niveau couleur et au niveau du nom, elle est bien, quoi.
Pas quoi faire. On va pas tomber sur ceux que je préfère. Hein. On va tomber sur ceux sur lesquels je vais hésiter, quoi. J'en sais rien. Je sais pas quoi faire. Je fais quoi? Vous aimez pas trop. Hein. Au pire, je peux la remettre après sur l'île avec une carte amiibo. Hein. On l'a. Je sais pas. J'ai toutes les cartes amiibo, hein, les loulous. Hein. Donc, si on veut mettre sucrète, j'aurais préféré tomber sur un habitant que j'aime vraiment beaucoup là en chasse. Et puis après, mettre les derniers avec des cartes amiibo, quoi. Par exemple, là, pour être franche avec vous, si on pouvait tomber sur Amande, Marine, Melba, Cookie, avant de tomber sur Sucrète, j'aurais préféré. Marine étant mon number one. Hein. Mettant ma number one. Qu'est-ce qu'on fait avec la sucrète? Non mais je vous dis là, réfléchissez bien. C'est moins du hasard que quand on va en chasse normale. Hein. Parce que là, on n'a que des vives, que des normales et que des paresseux. Donc, ça élimine tous les autres. Donc, pour le coup, on risque de tomber sur ce qu'on veut plus facilement. Ah, J'hésite, je préfère... Coucou Sab. Coucou. Eh ben écoute, oui, il vient de faire un coucou. Non, je ne vais pas la prendre, je préférerais tomber sur quelqu'un. Comme on est en chasse en live là, j'aimerais vraiment tomber sur quelqu'un. Non, je la prends pas. Je vous dis, si on veut la mettre, on la mettra avec une carte amiibo. J'ai toutes les cartes, je m'en fiche, hein, je peux les mettre, je peux mettre tout ce que je veux, hein, toute façon. J'aimerais bien tomber sur... T'es malade et tu bosses demain? Mince, mais si t'es malade, faut pas bosser, ma cocotte. Si? Si t'es malade, ça va pas le faire. Allez. Rosilda, c'est toi ce soir qui n'est pas d'accord avec tout le monde. Pas bête. Ah, j'adore. Allez, on va peut-être tomber sur... Comme je vous dis, hein, on va tomber que sur des vives, sur des normales ou bien des paresseux. Donc on va quand même... On risque quand même de tomber sur... Tu peux pas te mettre en arrêt pour une journée et demie? Bah non, le problème c'est que quand on se met en arrêt pour une journée et demie, on n'est pas payé, quoi. C'est le bazar, ça. Margot! Elle est jolie, cette vache. C'est ma vache préférée dans Animal Crossing. Mais bon, rien à faire sur le livre de mon livre. Mais elle est jolie, Margot, j'aime bien. Je trouve que c'est la plus jolie vache. Il y a Norma aussi. C'est Norma, hein, la vache rose. Hein. Ouais, c'est joli aussi. Mais je trouve que Margot, elle fait plus vraie vache, quoi. Elle est pas terrible, hein, sucrète. Hein. Non, elle est pas terrible, mais elle va dans le thème. Elle va dans le thème, il faut bien reconnaître. Je veux dire, on peut pas dire qu'elle va pas dans le thème. Hein. Un seau en bois. Bon, admettons. J'aimais bien, elle était mignonne. Non, mais t'inquiète, je l'ai en carte amiibo. Si on veut la mettre, on la mettra. J'aimerais juste... je le connais déjà. Bon, allez, tant pis, on le laisse ici, le pauvre. Oh, le service de nettoyage de l'île viendra. Il n'y a pas de souci. Le courage de recommencer. Le courage de recommencer, quoi, Sab? Une île? Ah, mais non, c'est un plaisir. C'est pas une histoire de courage pour moi. Moi, c'est un plaisir, j'adore recommencer les îles. Je suis comme... on est plusieurs, là, sur le chat, on adore les débuts d'île. Hein. Pas de soucis, Coccinelle. Comment va, Monsieur Coccinelle? Bah, écoute, Monsieur Coccinelle, il va bien.
Ouais. Il va très bien, monsieur Coccinelle. Il est content parce qu'il va bientôt pouvoir retourner en Angleterre, monsieur Coccinelle. T'as fait... Je vous raconte pas de bêtises. Bah, ça fait depuis le début du Covid qu'il n'a pas vu sa maman. Donc, on en est à quoi, là? On en est à 3, non? 3 ans? Je crois que ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu sa maman, hein. Donc là, il va pouvoir y aller dans pas longtemps. Il est content. Hein. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas allé en Angleterre. T'es visé. Mais non, c'est pas une histoire de visé. C'est un clan. C'est le clan des démarreuses d'îles. En fait. J'adore ça. J'adore ça. Les débuts d'îles et les chasses et tout ça. Et moi, c'est... C'est, j'adore, j'ai pas besoin de courage pour faire ça. Ah, Justine, bon, mignonne, mais bon, rien à faire sur une île gourmandise, hein, pour le coup. T'as fini l'entrée de ton île? Et dès que tu iras mieux, tu commences la mairie, le coin musée. Ben voilà, très bien. À quel moment on commence? C'est à quel moment qu'on a des requins? Quelqu'un sait? C'est au mois de juin, non? C'est pas au mois de juin? Ça devrait commencer les requins, non? C'est à partir de quand qu'on trouve des requins dans la mer? Il me semble que c'est en juin, non? Ça devrait pas trop tarder, cette histoire de requins, il me semble. Ah non, arrête Laetitia! Mais non, ça va pas prendre! Mais non, ça va pas prendre! De toute façon, les variants qu'on a là sont beaucoup moins virulents. Hein. Non, c'est pas toute l'année! Les requins, c'est jour. C'est pas juin, juillet, août, septembre? J'en sais rien. Juin, juillet, août, non? Alors, vous savez bien ça quand même, non? C'est quand les requins? Bebe! Pas de soucis! Oh, j'adore. Le bot qui n'aime pas le mot douche à nouveau. C'est quand même rigolo, c'est pas la première fois qu'il nous le fait celui-là. Le bot qui signalait que Sab avait mis le mot douche. Il aime pas le mot douche, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. La variole? Non. Vous avez peur de ça, vous? J'ai pas peur de ça, moi. Je sais pas. Vous avez peur de ces trucs-là? Ah non, il y a un moment, stop, quoi. Juin à septembre, hein, tu vois, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais juin à septembre, je commence sur une nouvelle console. Oui, complètement. J'ai les quatre consoles, hein, donc je fais le. Et ben même pas. T'as vu Laetitia? Il te le fait pas à toi. C'est bizarre, hein? J'ai pas compris. Bizarre. Bon allez, il faut qu'on avance les gens, hein, parce que si jamais on, à chaque fois qu'on en, regardez là, on pourrait déjà avoir le paresseux, la vive, on les a pas pris, hein. Oh non, de bleu. Oui, bah tu sais, je suis pas toute seule à en avoir 4, hein. T'as vu Léa qui se sentait visée, demande-lui combien elle a de consoles. Demande-lui combien elle a de consoles, la Léa aussi, hein? Elle, comme moi, elle adore les débuts d'Il. Et Coccinelle, elle est partie manger, mais je crois qu'elle en a 3. Ah bah tiens, quand on parle du loup, la v'là la Norma. Hein? On vient d'en parler, hein? Et voilà, elle en a 4 ici, Léa.
Bien sûr qu'on n'a pas ça. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas ce poisson-là. On n'a pas vu avec ma petite canne à pêche toute pourrie, là. Ah non, tu m'énerves. Il fait pas mal, pourtant. Je t'ai bien placé. Mais bon, on l'a pas. Ok, murène ruban bleu. Très bien. C'est un poisson que nous n'avions pas. Ouais, c'est ça. C'est parti. Je me demande si je me remettrai pas un petit peu plus tôt dans la journée, parce que je trouve que là on voit moins bien quand c'est de nuit quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les chasses de nuit, je suis moins fan. Attendez, on va se mettre un... Je vais redescendre un petit peu l'heure parce que... J'aimais bien au coucher de soleil, mais là, de nuit, j'aime moins. D'ailleurs, t'as vendu ta cinquième? Ah non, du coup, tu m'avais dit que tu voulais la vendre, mais au final, je ne savais pas. Ah, ça faisait beaucoup 5 quand même. Hein. Pour le coup, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Hein. Après, je dis ça, à la maison, on en a 6. Hein. Allez, on va se mettre comme ça, on aura du temps. Voilà. Nous, à la maison, on en a 6. Hein. Que j'ai les 4 miennes et puis du coup monsieur Coccinelle en a une et puis petit Coccinelle a la sienne aussi donc du coup on en a 6 quoi avec le Animal Crossing sur les 6 en plus monsieur Coccinelle il a bien avancé sur son île tiens il a eu son chic il a eu son chic au camping oh il me tardait hein, parce que je me suis dit oh là là il est capable d'avoir la chance de tomber sur Mathéo ou sur Raymond ou comme ça et tout. En fait, il a eu Tonton. Mais Tonton, en vrai, je le trouve rigolo. Il a eu Tonton en chic. Il était content. Ah, il connaît pas trop les habitants, donc... mais en vrai, il est rigolo, Tonton. C'est pas un mouton qui me dérange, quoi. Nous, je sais pas qui on va se prendre en chic, hein. Parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui marche pour une île gourmandise en chic. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est comme pour les versatiles. Hein. C'est pas énorme. Hein. Bon, allez. Bon, voilà. Là, nous sommes en plein jour. Comme ça, on verra où on va. Est-ce que j'ai des trucs à ranger, moi, chez moi, là? Ouais, ce serait bien quand même qu'on fasse un petit rangement. Oh là, lui. Hein. Va rejoindre tes compagnons. T'as eu Laura au camping? Cool! Tu l'aimes bien, c'est bien. C'est sympa. Allez, on va s'entreposer des trucs qui nous gênent dans nos poches. Voilà, comme ça, si on aura un petit peu plus de place. Si on veut des fois se reprendre un petit peu plus de bambou. Que je pense que c'est une île où on pourra mettre des bambous, ça va être joli. Ben moi, la Switch, c'est vraiment ma console préférée. Avant, c'était la 3DS, ma console préférée. Mais non, c'est la Switch. La 3DS, moi, j'aimais bien. Hein. Mais je mettais pas trop de 3D parce que je trouvais qu'au bout d'un moment, ça faisait mal aux yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui avaient des 3DS, je trouve que quand on met la 3D à fond, au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, j'aime bien mettre un petit peu de 3D, puisqu'on peut régler. Hein. Un petit peu de 3D, mais pas trop quand même. Mais bon, la 3DS, c'est extra comme console. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Tu mettais pas la 3D à cause de ça, hein? Ouais.
Ah oui, parce que la 3D, c'est pour ça qu'ils ont sorti la 2DS d'ailleurs, hein. Parce que bon, déjà, les enfants, ils n'en ont rien à faire de la 3D. Donc, du coup, je pense qu'ils ont sorti la 2DS, hein. Ah, ça, c'est... comment il s'appelle, lui? Je l'aime bien, lui. Pas pour mettre sur notre île, hein, mais c'est un pingouin que j'aime bien. De toute façon, j'aime bien les pingouins. Comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus du nom. Pingouin aviateur, là. Il l'avait pris à un moment, lui. Comment il s'appelle déjà? Il est mimi, lui, je l'aime bien. Je me souviens plus de son nom. C'est pas Hervé, non, Hervé, c'est le pingouin rose. Lui, je me souviens. Comment il s'appelle? J'ai chaud, les gens, je me demande si je vais pas mettre un peu de ventilo dans l'histoire. Éthan, exactement. C'est ça. Attends, c'est n'importe quoi là. Alors, est-ce que je peux souhaiter un peu de ventilo dans cette maison? Et nous, ça marche pas parce qu'il n'est pas branché. La 2D, t'es pas fan du style? Ah ben non, parce qu'on dirait la 2D, je vais vous dire ce que je trouve. La 2D, je trouve que. On dirait que c'est une console qui voudrait se plier, mais elle se plie pas. Oh mon Dieu, je suis en. Regardez. Si j'ai le vent dans les voiles. Dépatouiller pour que j'ai pas le vent dessus. J'avais le vent dans les cheveux. Ça faisait un genre, hein, remarquez. Hein. Ça faisait très Hollywood. Je ressemblais à Amber Heard. Non, je rigole. Amber Heard. Ouais, la 2D, c'était une console qui était bien pour. C'est une console qui était bien pour les enfants. Parce qu'elle est relativement solide quand même. Mais je suis d'accord, hein. J'ai quasiment toutes les consoles de Nintendo. Hein. Oui, c'est ça. Hein? Je suis d'accord. Ah, crevette, c'est vraiment ça. Trop bizarre. Hein? La 2D, on dirait qu'elle se plie, mais elle se plie pas. C'est ça, en fait. Allez! Et cette fois, faut qu'on avance, allez, loulou. Hein. Si on trouve quelque chose, on le prend. Hein. Parce qu'autrement, si à chaque fois on trouve un défaut, on n'aura personne. Hein. On va rentrer, il n'y aura personne dans le panier, hein, moi je vous le dis. Hein. Faut qu'on soit pas trop difficile, hein, quand même, non. Hein. Autrement, là, on va pas trop le faire. Hein. Ah, Emma, j'adore Emma, mais bon, vraiment, elle a rien à faire chez nous. Mais bon, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien les petits hamsters, moi. Très rigolo. Allez, go. On se dépêche. Non, moi j'ai une 3DS XL. Franchement, je l'aime bien. Elle est sympa. Hein. C'est celle sur laquelle je joue à Animal Crossing avec le grand écran et tout. Elle est bien. Hein. Allez. Non, dans les consoles de Nintendo, il me manque la Nintendo 64, la première. J'aimerais bien en trouver une, mais elle est grosse, hein. Elle prend de la place. Nintendo 64, autrement j'ai la GameCube, j'ai la Game Boy Advance, j'ai la Wii U, la DS, la 3DS. Celle, elle est du coup la mienne. Switch. Pas Nintendo, je suis pas Nintendo. Comment il s'appelle
celui-là. Magogo, c'est ça? Je suis pas sûre. Du ça, mais ça me vient comme ça, le nom. C'est peut-être lui quand même. Possible. Bon, je suis pas singe. Ce que j'aime bien quand on fait un thème un peu précis comme ça, des fois on est obligé de, je sais pas si vous allez être de mon avis, mais des fois quand on fait un thème très précis, on est obligé de prendre des habitants qu'on n'aurait pas pris en temps normal, qui sont pas du tout dans notre intérêt, voire même qui sont des habitants qu'on n'aime pas. Et puis en fait, quand on les prend, et ben on a un coup de cœur et on trouve qu'au final, ils sont super sympas. Ça vous l'a déjà fait, ça? Moi, ça me le fait. Hein. Oui, crevette, bah oui. Hein. De toute façon, Nintendo, ils font des bonnes consoles. Là, sur Hobbit Hill, j'ai pris Laurent pour faire l'orque blanc. C'est un habitant que j'aurais jamais pris en temps normal. Et ben finalement, je le trouve très sympa, quoi. Par exemple, je trouve rigolo, au final. Lui, c'est... Non, il a un nom espagnol, celui-là. Comment il s'appelle, déjà? S'appelle. Il a un nom espagnol, hein, c'est ça? Il y a plutôt un nom. Voilà, je l'ai pas, cette libellule qui va très vite là. Mais bon, on n'est pas là pour attraper des libellules. Il s'appelle. Il s'appelle celui-là. En fait, il faudrait que je prenne tous mes classeurs de cartes amiibo et que j'apprenne les noms par cœur. Non, ça me revient plus son nom. Bon, on n'a pas trop de mignons là en ce moment, je trouve. On n'a que des moches. Allez! Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas pris les premiers, et du coup, bah, ils ont dit, bon, on leur donne des habitants qui vont très bien pour Miami, et ils les prennent pas, alors du coup, on va leur mettre des moches. C'est ce qu'ils disent, hein, au final. Hein. C'est tant pis pour nous, hein. On va dire, bah, tant pis, hein, puis on va vous mettre plusieurs fois les mêmes, en plus. Comme ça, qu'est-ce que c'est de pas avoir pris Guido et Sucrète. Miguel, exactement. Oh, coucou, Selkai. Bienvenue sur le chat. Et merci. C'est Miguel, hein. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il avait un prénom espagnol, celui-là. Le Miguel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voilà. Voilà, je vous ai dit. Tous ceux avec lesquels on va hésiter, on va les trouver. On en a parlé tout à l'heure. Mais lui, il fait jouer les gens, il ne fait pas gourmandise. Je sais qu'il est Bibi, je sais que tout le monde l'aime. Mais c'est un jouet. Ça n'a rien à voir. Tu t'en vas, crevette? Ok, bah bonne soirée, écoute. Il fait pas gourmandise, il fait pas... Ça va pas. Je sais qu'il est Mimi, Miro, mais bon... Il fait pas, quoi. Non, je préfère prendre Marvin, hein, pour le coup. Hein. Marvin, voilà, ça nous parle quand même déjà plus, quoi. Sur une île, on va mettre beaucoup de nourriture et tout. Marvin, il va aller avec le thème un peu, parce que Miami, c'est pour Miam, et c'est pour Miami aussi. Et du coup, Marvin, il ira avec le thème un peu tropical et comme ça, quoi. Hein? Donc, ça serait cool. Mais Marvin, je lui tombe plusieurs fois dessus pendant les chasses.
Aujourd'hui, on ne va pas lui tomber dessus. Ça serait trop bien qu'on lui tombe dessus quand même. En plus, il est bien Marvin. Hein, je l'aime bien. Il est mimi. Allez, c'est parti. Vous entendez pas trop le ventilo parce qu'il fait un peu de bruit quand même. Bah, ça fait un bruit de vent, quoi. Non, mais je commençais à avoir très chaud. Je l'enlèverai de toute façon après. Bon, allez, il faut qu'on s'y mette, hein, les loulous, là. Pas ça. On est difficile, hein, parce qu'on en a déjà eu deux qui fonctionnaient. Et puis, ben, on les a pas pris. On pourrait déjà être très avancé. Et voilà ce que le jeu nous met. Maintenant. Voilà, ça c'est notre punition. C'est notre punition pour ne pas avoir pris Guido et Sucrète. Ils ont dit, allez hop, on leur colle la grosse Bertha. C'est ça, hein? Allez hop, tiens, prenez-vous la grosse Bertha. Maintenant, on va vous mettre que des moches. Parce qu'elle, elle est moche, hein. Elle n'est pas très jolie avec sa couleur verte. Déjà que je suis pas trop hippopotame là. Déjà que tout le monde veut que je prenne Patty et que je suis pas trop rhinocéros non plus. Mais bon, si on trouve la Patty, on la prendra. Parce qu'avec sa fraise, autrement personne, tout le monde va me dire merci. Non mais t'inquiète pas, je sais pas si c'est celle taille ou celle taille, je sais pas, c'est celle taille je pense. Ouais t'inquiète pas, on est tranquille, on est chill ce soir, on est en petite chasse et on ne prend pas les habitants que le jeu nous donne, alors comme ça... Bon allez, îlot bambou. Normalement c'est un porte-chance les îlots bambou. Vous avez déjà dit, hein. Oh bah bof. C'est Léo. C'est Léo, hein, c'est ça. C'est Léo. Ouais. Après, c'est le lion que je préfère, lui. J'avais dit que je reprendrais Céline. Ok, d'accord. Pas de soucis. J'avais dit que je reprendrais éventuellement quelques petits. Bambou, hein, parce que on en aura besoin. Allez, voilà. Ah ben non, c'est pas là. N'importe quoi. Arrête de creuser là où ils sont pas, toi. Il fait n'importe quoi aussi. Allez. Oh, c'est n'importe quoi. Pourquoi je creuse pas là où il faut, hein, franchement. Allez, on va prendre la petite dernière qui est ici. Ça y est. Voilà. Go. Il n'y a pas de bouteille. Là. On y va. Mais il faut un coup de pelle. Il faut lui un coup de pelle pour le tuyau. N'importe quoi. Moi, quand je creuse, le sang moi seul. Ouais, c'est un peu ça, hein, t'as vu? Moi, le pire, c'est quand je vais attraper un scorpion ou une tarentule. Hein. Non, le pire, c'est les guêpes. Non, franchement, je suis trop mauvaise aux guêpes. Est-ce que vous êtes bon aux guêpes, vous? Franchement, moi, je suis trop mauvaise aux guêpes. En fait, je suis en stress complet quand il y a des guêpes. Et j'y arrive pas, quoi. Je suis trop stressée. Quand il y a des guêpes. Puis là, je prends mon filet et j'ose pas appuyer sur A, quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans Animal Crossing, vous ? Un petit coccinelle, lui, c'est au niveau de la pêche, il est toujours stressé quand il pêche. Oh,
Moi, je suis pas stressée quand je pêche. Hein. Ah bah le blanc, le Hervé dont on parlait tout à l'heure. Tiens, il est là. Oui. Pense quand même que entre les tarentules et les scorpions, c'est les tarentules dont j'ai le plus peur. Parce que j'ai vraiment très très peur des araignées en temps normal. Donc là, pour le coup, les tarentules, elles me fichent vraiment la trouille, quoi. Vous avez raconté la fois où le petit coccinelle, il était poursuivi par une araignée. Il est rentré dans sa maison, donc c'était bon. Et quand il est sorti de la maison, la coccinelle, mon Dieu, si seulement ça avait été une coccinelle, la tarentule, elle le poursuivait. Il est rentré dans sa maison et quand il est ressorti, elle était toujours là. Un truc de fou, j'avais jamais vu ça. La tarentule, elle l'attendait devant la maison, quoi. Alors que d'habitude, elle disparaît, quoi. Et les gens, ça fait déjà 1h30, hein. Il faut qu'on trouve ce qu'on veut, là, hein. Parce qu'autrement, ça va pas aller, hein. Allez. On est parti. Bon, cette fois, il s'agirait quand même de trouver un peu des habitants dans cette chasse aux habitants. Parce qu'on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, on a ici. Je vous ai dit qu'on allait avoir les moches. Coucou Alaï. Ça, j'aime bien. Je suis obligée, hein, de faire Alaï. Parce que vraiment, ton pseudo, il donne envie de dire que vous avez vu. Vous avez dit qu'on allait avoir des moches. Tu aurais des noms d'habitants qui pourraient convenir à mon thème pirate. Ouh là là, comme ça, chaud. Il faudrait qu'on... Ouh là, il y a eu une petite coupure d'internet. Est-ce que vous êtes toujours là, les gens ? Êtes-vous toujours là ? Petite coupure d'internet. Oui, j'ai trouvé mon île, bien sûr. Trois îles après le live, je tombais sur Choco. En fait, après le live, j'ai mangé, j'ai pris ma Switch. J'ai allé, je m'y remets un petit peu. J'ai fait trois îles. La troisième, c'était Choco avec l'aéroport orange et tout. Donc, j'ai dit, bon, ben voilà quoi. Des habitants. Allez, dans le chat, des habitants qui pourraient convenir à un thème pirate. On peut mettre qui en pirate? Pas évident comme ça, chaud. Hein. Vous avez des idées? Ouais, c'est génial. Hein. Pour un thème pirate, je réfléchis. Déjà, il faudrait regarder les... Ouais, je sais pas, moi je mettrais des noms de personnages de... S'ils existent, je mettrais des noms de personnages qui sont dans les Pirates des Caraïbes. Après... Tu vois, moi je mettrais Calypso, déjà, c'est la première qui me vient à l'idée. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Regardez! Là, on a les moches, hein, maintenant. Hein. On n'a pas pris les mignons quand ils nous les ont donnés. Maintenant, ils nous collent des moches. Hein. Calypso, moi, en proms. Calypso, c'est la déesse de la mer. Hein. Ouais, Calypso. Déjà. Je mettrai. Après, il y en a probablement d'autres. Hein. Si vous avez des idées dans le chat, donnez vos idées pour un thème pirate. C'est pas évident. On a mis Toto sur Boréal au coin viking. Il a un intérieur qui fait très... Bah, ça fait plus viking que pirate, quoi. Mais bon, ça peut aller, je trouve.
Non, tu peux pas aller voir quelqu'un, n'importe quoi. Je sais pas ce que je suis en train de réfléchir au thème de pirates en même temps. Pas évident, c'est pas évident, hein, quand même. Et après, on peut pas dire qu'il y a vraiment des habitants qui sont habillés en pirates hein, dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Après, tu mets ce que tu veux et puis tu te débrouilles pour récupérer les vêtements pirates et puis tu leur donnes en cadeau. Du coup, ils vont les mettre. Moi, c'est ce que je fais, je pense. Je crois que c'est ce que je ferais. Je leur donnerai les vêtements pirates et puis en espérant qu'ils les mettent, quoi. Marie-Lou, qui n'a rien à faire dans notre thème. On se dépêche un petit peu hein, là maintenant. Parce que pour le coup, on est déjà à plus d'une heure et demie. On n'a ramené personne. On en a trouvé deux qui fonctionnaient. Bah écoute, je pense que tu peux leur donner. On peut leur donner des vêtements. J'ai jamais essayé de donner des vêtements pirates, mais pourquoi pas, hein? Je pense que tu peux leur donner des vêtements pirates. Il n'y a pas de raison, hein? Tu leur donnes en cadeau, puis tu verras bien, mais je pense qu'ils vont les mettre. Hein. Après, tu vois, tu peux toujours mettre peut-être Marina. J'essaie de réfléchir comme ça, c'est pas évident. Il y a un oiseau qui s'appelle Jack, non? Il n'y a pas un oiseau qui s'appelle Jack? Oh mon Dieu! On n'est pas en train de faire un thème sur la préhistoire, hein? Pour le coup. Là, ils nous mettent des habitants qui n'ont rien à voir avec notre thème. Hein. Toutes les mignonnes, pour le moment, on les a pas vues, hein. Toupi, Medba, Marine, enfin tous ceux qu'on voudrait quoi. Hein? Oui, Laura en pirate, bah écoute, pourquoi pas, ça pourrait être sympa franchement. Faut tenter hein. Parce qu'une fois que tu les as récupérés, les habits pirates, est-ce que tu peux les commander? Je ne sais plus. Une fois que tu les as eu une fois, c'est possible. Je me souviens plus. Si on peut faire ça. Je commence à regretter de ne pas avoir pris Dido et puis Secrète. Hein. On en aurait déjà eu deux. On n'aurait eu plus qu'à trouver la normale. Pour le coup, nous sommes trop difficiles, les gens. C'est ça le problème. Même si là, on a le choix contre trois. Caractère au niveau des îles, ben ça. Là, à venir, c'est pas non plus un claquement de doigts. Hein. Bien sûr, ça réduit beaucoup le. Et ben nous, c'était pas elle, on aurait voulu. Si t'avais été Candy, je la prenais. Hein. Pourquoi Marine? Non, Marina. Ah, pourquoi Marine? Pourquoi je veux Marine? Ah, pour deux raisons. La première, parce que Marine, c'est une mandarine. Elle a une tête de mandarine. C'est une mandarine, sa tête. Et la raison numéro 2, c'est mon habitant préféré sur Animal Crossing. J'adore Marine. Mais bon, c'est une mandarine. Donc là, pour le coup, j'ai une grosse excuse. Hein. Pour le coup, Marine, que son nom soit en français, en anglais ou quoi que ce soit, elle reste une mandarine. Alors que par exemple, si on prend Melba,
Bah Melba, coucou, recoucou Laetitia. Si on prend Melba, et bah Melba c'est en français. Mais par exemple, en anglais, je ne sais plus comment elle s'appelle, Melba, mais ça n'a rien à voir avec de la nourriture. Quelque part. Oui, c'est... Coccinelle, t'avais pas vu l'autre jour, je l'ai montré. C'est un de mes cadeaux de fête des mamans. C'est petit Coccinelle qui m'a offert ça pour la fête des mamans. Regarde. Voilà. Si j'ai un petit peu froid, je peux mettre mon petit truc. Mais là, j'ai pas froid pour le coup. Hein. Mais non. On a trouvé Guido et puis Sucrète et puis on les a partis. Parce qu'on est trop difficile. Et puis maintenant, on a Rebebeu. On a eu Bebeu et Rebebeu. Ah, je vous jure. Je vous ai dit qu'ils allaient louper les vidéos. On est trop focus sur certains. Et puis du coup, et ben, quand on trouve ceux qui iraient à peu près, et ben, on les prend pas. Et après, ben, on regrette. Voilà, voilà. Merci, Coccinelle. Et je vais plus avoir de tickets quand ça continue. Mais non, pourquoi je me trompe? Ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Je commence à cliquer n'importe quoi. Allez. T'as trouvé Myrtille du premier ticket. Bah tu vois, Myrtille, eh ben ça m'embêterait de lui tomber dessus. Et on va lui tomber dessus. Parce que bah, Myrtille, on l'a sur Avatar. Et que j'ai pas trop envie de la reprendre là, quoi. Et pour tout de suite, t'as pris Gabi. Ouais, Gabi, j'ai déjà eu. Ça va. Mais la Myrtille, franchement, elle ferait partie de ceux, voilà... On ne saurait pas quoi faire, quoi. On l'a déjà sur l'autre île, c'est bête. Hein. Bon, allez, cette fois, il faudrait peut-être que ça s'y mette, hein, parce que je commence à en avoir marre. Voilà, allez, go. On fait vite, hein, maintenant. On voit que c'est un gros. On cherche même plus à chercher à trouver son nom. Ce soir, ce sera chasse pour toi, pour ton île Chistostega. Bon, oh, bah écoute, hein, tu peux. Là, t'as beaucoup de choix quand même. T'as beaucoup de choix. Tu peux mettre. Je sais pas si tu veux rester dans les. Tu veux rester dans les couleurs des Schistostega ou pas? C'est vrai que tu restes dans les habitants jaune, vert. Je sais pas. Ça, je sais pas trop ce que tu voyais comme habitant. Moi, pour une île Schistostega, je prendrais les habitants coup de cœur. C'est-à-dire, voilà, tu vas à la chasse, et puis dès que tu en trouves un qui te plaît, tu le prends. Moi, c'est ce que je ferais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de thème précis au niveau des habitants. Donc, quoi. Après, c'est pareil. Tu peux faire comme pour le thème pirate. Tu prends les habitants. Puis après, tu récupères les vêtements, tu fais des vêtements Schistostega, puisque ça se fabrique, hein, je crois. Tu fabriques les vêtements Schistostega, puis tu leur donnes un cadeau. Tu verras bien si ils les mettent. Ça, c'est Jérémy, rien à faire chez nous. Jérémy la grenouille. Peut-être tu leur mets des vêtements Schistostega, ça peut être rigolo. Après, on va croire que c'est des petits lutins, tu vois. Toi, ton île doit avoir de l'air, mais tu sais, des fois, Laetitia, on est surpris parce que finalement, quand on n'est pas allé depuis un moment sur une île et tout, bah, des fois, il n'y a pas tant de dégâts que ça. Et moi, je suis surprise. Des fois, je vais sur les îles, je me dis, ça fait un moment que je ne suis pas allée et tout. Au final, quand tu y retournes, bon, c'est pas tant le bazar que ça. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu la vidéo, il y a une youtubeuse, elle a fait une vidéo et elle est allée, elle a fait un voyage dans le temps
avec Animal Crossing et elle est allée le plus loin possible dans le temps. Il est possible d'aller avec Animal Crossing. Donc elle est allée, je sais plus c'était en quelle année, mais elle est allée jusqu'au bout du jeu, quoi, au niveau de la date. Et en fait, elle s'est dit, mais ça va être la cata et tout. Et ben non, pas tant que ça. Et puis ses habitants, ils lui ont juste dit, ah ben dis donc, ça faisait un petit moment que... Hein, c'est ça ? Ouais. Ils lui ont dit, ah ben... dis donc, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu et tout, mais bon, Dieu, c'était pas plus que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis elle disait que ben, son île, elle avait pas tant changé que ça, c'était pas trop le bazar et tout. Selma, non, Selma, elle est rose, mais tout à part le fait qu'elle soit rose, il n'y a rien qui va. Ouais, c'est ça, hein. Par contre, ça veut dire que si quelqu'un qui voudrait jouer à cet Animal Crossing là en 2061, il pourrait pas. Parce que les Nintendo, ils sont pas prévus ça. Je vais regarder quand même combien. Ah, tu l'as déjà fait. Bon non, il nous reste 19 tickets. Ça va. J'aimerais bien qu'on en trouve au moins un ce soir. Bonjour. Allez. C'est quand même un habitant sympa ce soir. Entre tous ceux qu'on veut, il y aurait moyen quand même, hein. Eh, tu l'as déjà fait, hein. J'ai jamais fait, moi. Bon, allez. Allez, le jeu. Pardon. Pardon de ne pas avoir pris Guido et Sucrète. Est-ce que vous pouvez nous mettre des habitants qui vont pour une île gourmandise, s'il vous plaît? Merci. Peut-être que je fasse ça. On va voir. Bon, déjà, c'était bon. Mais on n'a pas besoin, quoi. Mais déjà, il est mignon. C'est plus sympa de voir des habitants mignons. Coucou Théo, comment tu vas? Ça va bien? Allez. Maintenant que je me suis excusée, normalement ça devrait marcher. Oui, ça va très bien. On est en chasse et puis ben, on a bien du mal à trouver ce qu'on veut. Du coup. Allez. C'est parti. Allez, 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 hein. Il vous reste, ça veut dire 20h30, 21h max, hein. Il faudrait peut-être que ça s'y mette, hein, ces points. Mais est-ce qu'il y a fait que si on en trouve un, après, ça nous réduit... par exemple, si on trouve le paresseux, on trouve Marvin, par exemple, et bien après, on n'aura plus que des vivres et des normales sur les îles. Et voilà, après, ça réduit et du coup, ça augmente les chances de trouver ce qu'on veut. Ça ne servit à rien que je m'excuse. Je crois que j'ai bientôt eu... Je crois que j'ai bientôt eu tous les... Tous les fourmiliers, enfin tous les fourmilières plutôt, en vive et en normal, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui prennent des fourmiliers dans le jeu. Est-ce que vous prenez des fourmiliers, vous? Franchement, faut déjà y aller, hein. Ils sont quand même pas bien bons. À part si quelqu'un a un thème Michael Jackson, exemple. Allez, je sens bien là. Bah non, les fourmiliers, franchement, je crois que pour en avoir un sur son île, les fourmiliers, il faut l'avoir au camping obligé, en chic,
ou bien alors ou alors tomber sur avoir un aléatoire quoi. Pourquoi je suis en live 0 et 2 heures, c'est-à-dire je comprends pas ce que tu dis. Ah, Miglou. J'adore Miglou. J'adore Miglou, mais bon, Miglou, oui. Non, non, non. J'adore Miglou. À un moment, je le cherchais, j'arrivais pas à le trouver. Le mercredi, je suis en live entre 0 et 2 heures. Ah bon? Oh, bah, c'est peut-être une erreur de Twitch, t'inquiète, c'est pas grave. Non, je vais pas être en live entre minuit et 2 heures du mat. Non, ça doit être... je vérifierai, merci de me le dire. Merci de me le dire, parce que c'est n'importe quoi du coup. C'est peut-être un truc sur... Parce que j'ai changé le programme sur Twitch, j'ai peut-être pas vu que... Ils ont peut-être changé, eux, l'heure, et j'ai pas vu. Ouais, Miglou. Non, non, je suis toujours entre 18h30 et 20h30, 21h. Toujours. Je change pas ça, pour le moment. En tout cas, pour le moment. C'était bien, cette heure-là. Je sais, c'est l'heure de manger. Mais bon, les gens sont rentrés du travail. C'est avant de regarder la télé le soir... Moi, ça ne fait pas trop tard, c'est bien. Voilà. Et puis les gens, ils vont manger, ils reviennent. Il n'y a pas de souci. C'est bien comme ça. Ouais, il est sympa, Miglou, hein, j'aime bien. J'aime bien les pingouins, de toute façon, moi. Bon, allez, est-ce que Nintendo a entendu que je m'étais excusée de ne pas avoir pris. Oh là là, double. Deux fois Norma. Cette histoire, hein. Ouais, bah je regarderai, t'inquiète, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu vois, les gens soient là sur le live avec moi. Les gens savent très bien que je vais pas faire un live à 2h du mat, à moins que mon chien soit malade à nouveau et que je sois obligée de nettoyer la maison comme il y a deux nuits en arrière et que du coup je sois réveillée. Hop. Non, faudrait déjà le faire, hein, se relever au milieu de la nuit pour faire un live, non? Un live pour les insomniaques, pour les gens qui dorment pas. C'est qu'il y en a plein en plus. Il y a plein de gens qui ont du mal à dormir et je suis sûre que qu'ils se mettent sur des lives comme ça au milieu de la nuit. Hein. Allez, allez, allez! Qu'est-ce qu'on doit chanter comme chanson pour attirer. Oh là là! Bah oui, hein, voilà quoi. Non, mais bon, le problème c'est qu'on va tomber sur des mimimes et qui nous attendent pas quoi. Chanter comme chanson qui nous attire des petits gourmands là. Je me dis d'habitude, Marvin, je le croise au moins deux ou trois fois par chasse. Aujourd'hui, on va pas le croiser quoi. Hein? Alors qu'on le prendrait direct quoi. Parce que je pense qu'en paresseux, vu qu'on n'a pas pris de vidéo, je vois pas qui on pourrait prendre d'autre. Hein? Ouais, c'était Bibi, mais Bibi. Bibi, elle va faire chez nous, quoi. Le petit cookie et tout ça. Et ketchup, hein. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont où? Rosab. Mais pas une chanson, si je pourrais chanter la chanson de Katy Perry là. Pas la petite baby. Ah, je chante ça. Je chante ça. Je chante Bon Appétit Baby. Pour, oh, vous la marine.
Ça m'énerve quand on voit toujours quoi les mêmes et il y en a qu'on n'a pas encore vu quoi. Ouais, ça. Je trouve que depuis qu'on a changé d'heure, là, on n'a plus des trucs intéressants. Finalement, tu vas pas travailler? Bah non, écoute, attends, c'était pas bien. Voilà, quoi, ton pied, hein. Tu sais, je me dis, des fois, je sais, c'est pénible. Bon, après, la santé, ça passe avant tout. Hein. Si tu sens que tu seras pas ok pour bosser demain, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Hein. Pire, hein. Tu veux. Hein. Si c'est pour aller au boulot, puis être obligé de rentrer parce que tu te sens pas bien, ça sert à rien hein, au final. Hein. Je me souviens, j'étais seule, quoi. Je suis allée voter pour ceux qui savent, hein, j'étais enseignante en maternelle pendant 31 ans et un coup, je suis allée bosser. Avec une gastro. Hein. Et je me suis dit, non, mais en vrai, ça va aller et tout ça, nanani, nanana. Et ben, je peux vous dire que je suis rentrée plus vite que prévu chez moi. Bon, là, c'est le poulet. Déprimé. Je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est un poulet déprimé qui est pas loin de se suicider. Regardez, c'est horrible. Et je me souviens d'un truc, mais le pire de tout dans ma carrière d'enseignante, je vais vous raconter ce que c'est. Vous n'allez pas en revenir, quoi. C'était dans mes premières années. Ouais, gastro, ben ouais. C'était dans mes premières années d'enseignement. Et je vous raconte. J'étais donc en maternelle. Ma rentrée était prête et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, en maternelle, jour de la rentrée, vous avez tous les parents qui défilent un par un avec le gamin pour venir se présenter, pour présenter le petit. Et c'est juste hyper important et tout. Et vous savez quoi? Et ben, j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse, quelques jours avant la rentrée. C'était la cata. Et je suis allée bosser comme ça. Je vous assure que je m'en souviens. Ça fait longtemps. Je m'en souviens. Mais ça a été horrible. Quoi. J'étais obligée de... Ah mais zut, arrêtez le poulet. Je m'en souviens parce que franchement, j'étais trop mal. Je suis restée assise. Hein. Du coup, je ne me suis pas levée parce que j'étais vraiment pas bien et tout. Mais je pense que je devais être blanche, plus qu'un cachet d'aspirine, quoi. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et je suis allée bosser comme ça parce que c'était la rentrée. Et que du coup, je voulais pas louper la rentrée. Mais c'était n'importe quoi. Quand j'y repense, je me dis, j'aurais pu faire un malaise au milieu de la classe hein, ce jour-là. Vraiment. Hein. J'ai dit au revoir de l'enfant malade. Ah ouais, bah tu m'étonnes, tiens. Il y a une année, on a eu une varicelle telle que je me suis retrouvée avec un enfant dans ma classe. Tous les autres avaient la varicelle. Il y avait un enfant sur une trentaine, quoi. Enfin, sur 25-30 enfants, il n'en restait plus qu'un. Tous les autres avaient la varicelle. Et moi, j'ai toujours été dans les varicelles. Tout le temps. Mes enfants ont eu la varicelle, tout ça. Je n'ai jamais eu la varicelle. C'est bizarre. Comme quoi, je pense qu'on doit être des fois... Ah, tiens, on va faire bien. Je pense que des fois, on doit être immunisé contre certaines maladies naturellement. Enfin, moi, je pense. Hein. Parce que franchement, je n'ai jamais compris pourquoi je n'avais pas eu la varicelle. Oh, tu étonnes que j'étais mal le jour de la fausse couche. Ah ouais, franchement, tu vois, ça, c'était tout au début où j'étais enseignante. C'est pour ça. Hein. Parce que quelques années après, je peux te dire que je ne l'aurais pas fait. Hein. Je me serais arrêtée et puis je serais revenue à l'école quand j'étais dans bonnes conditions pour bosser, quoi.
Oui, tu vas pas bosser comme ça quand tu viens de faire une fausse couche, c'est n'importe quoi. Hein. La varicelle, ça peut s'attraper deux fois. Oui, j'ai deux de mes enfants qui l'ont eu deux fois. Parce que la première fois, ils l'ont eu juste un tout petit peu, avec juste quelques gouttes de rien. Et le médecin m'avait prévenu qu'il pouvait la revoir et ils l'ont eu tous les deux à nouveau. Et la deuxième fois où ils l'ont eu beaucoup plus forte. Là, ça a été la grosse varicelle, la deuxième. Si t'as pas assez d'anticorps, c'est ça en fait. T'as pas assez d'anticorps, et ben tu peux te. Sans quand je vois du bleu comme ça, je me dis attention, on cherche pas d'habiter en bleu. On est mal barré les gens, hein. Il nous reste une demi-heure, hein. On est mal barré pour le moment, hein. Combien il me reste de tickets? J'en ai encore dans ma maison, hein. Ah, c'était pas 19 tout à l'heure, c'était 29. J'avais dit 19, mais là, c'est maintenant, c'est 19. Je cherche qui? Je cherche des mignons pour mettre sur notre île Miami, qui est une île gourmandise. Et on a laissé passer Guido et Sucrète, alors que je pense que leur a valu qu'on les prenne, en fait. Tu vois? Voilà. Donc du coup, bah, on cherche Marine, Coupi, Melba, Ketchup, enfin bon, voilà. Marvin aussi. Et ben, puis, ils viennent pas, quoi. On a du bal. Pourquoi, hein? J'ai mis ma belle robe et tout, hein. Ouais, t'as ketchup, bah ouais, bah. Oh là là, mais non, c'est pas un tel égyptien, c'est bon. C'est une fille ketchup, hein. C'est pas un garçon. Mais là, je sais pas pourquoi tout le monde pense que c'est un garçon ketchup, c'est une fille les loulous, hein. C'est une vive. Mais on l'a déjà dit l'autre jour, je crois. Il y avait déjà quelqu'un qui croyait. Ouais. Il y avait quelqu'un l'autre jour qui croyait que c'était un garçon. Il y a des habitants comme ça, les gens savent pas si c'est un garçon ou une fille. Il y a des gens qui pensent que Kiki, la petite chatte, hein. Il y en a qui pensent que c'est un garçon. En fait, c'est une fille. Il y a des habitants comme ça, on ne sait pas trop si c'est des filles ou des garçons. Et voilà, Alix. Alix, tout le monde pense que c'est une fille. Voilà, l'exemple typique. En même temps, avec sa petite mignonne et tout, là, il y a moyen de se planter, hein. Oh, le remiro. Les zouzous, on n'a pas de pêche, hein. On va en prendre. J'ai de la place. Oui, c'est bon. On n'a pas de pêche chez nous. Allez, go. C'est une île aux oranges, hein. On va se prendre quelques pêches. On va en prendre juste trois, hein. Parce qu'en quoi ça sortait, hein. Donc c'est bon. Remiro. Mais non, Miro, il fait pas un prix en vivant. Hein. Allez. Bon, il nous reste une demi-heure, hein, donc il y a. En vrai, si vous avez une grande chance, ça pourrait y aller. Hein. Je trouve que la boucle double là. Non, s'il ne voudrait pas qu'on change l'heure. Des fois, quand on change l'heure, ça va mieux. On se fait un petit changement d'heure. Allez. On se met à quelle heure? J'ai envie de me mettre très tôt le matin. J'adore le matin très tôt. J'aime beaucoup la lumière vers. Vers 5-6 heures du matin. On pourrait se faire ça. Allez, tiens. On va se mettre à... Ouais, c'est bien le matin. Hein, on va se faire ça. Il fait bien frais en plus le matin. On va se mettre à... 5h15, un truc comme ça. C'est pas mal ça.
Voilà, tiens, go. Et puis ça va peut-être réinitialiser le truc et on aura peut-être moins de doubles. Il est bien ton troisième jeu, c'est-à-dire, il est bien ton troisième jeu? Je comprends pas. Quel jeu? Ah, le troisième jeu que j'ai sur ma Switch. Attends, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben oui, c'est parce que c'est, en fait, c'est ma Switch Mario. C'est ma Switch Mario. Et donc, bah forcément, j'ai Mario dessus. Tu sais, c'est le Mario All-Star avec les trois Mario qui étaient. C'est pas des jeux récents en fait, hein. C'est des jeux qui étaient déjà sortis depuis un moment, hein. Et c'était un anniversaire. Pour être honnête, j'ai encore pas joué. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai cette Switch. Je l'ai prise parce que je voulais. Elle était collector et du coup. Ah voilà, j'adore la luminosité. C'est sympa, hein. On va regarder la bouteille. Un jour, il faut que je m'y mette, mais là, franchement, j'ai plein de jeux. J'ai pas le temps de jouer à d'autres choses. Entre le groupe Facebook, entre les deux chaînes YouTube, les lives là, plus bah, tout ce que j'ai à faire chez moi, hein. Parce que bon, je ne peux pas non plus passer 24-24 sur la Switch. Hein. Et ben, j'ai pas le temps de jouer. Hein. J'ai eu deux jeux pour mon anniversaire. J'ai eu deux jeux de Switch pour mon anniversaire. Ils sont encore emballés. Ça vous dit quelque chose? J'ai eu Kirby et j'ai eu le fameux Kirby. D'ailleurs, on pourrait le faire en live, hein, le Kirby. Hein. On pourrait faire un petit peu de live sur Kirby, ça pourrait être sympa, ça changerait. Et puis j'ai eu un autre jeu, mince, je me souviens même plus du nom. Je vous montrerai. C'est un jeu qui est beaucoup moins connu, mais qui me tentait. Ouais, mais moi aussi, mais on a plein de jeux. On a plein de jeux chez nous, et puis bah, on joue toujours au même, quoi. Enfin, un petit peu comme tout le monde. Je crois que tout le monde fait un peu ça en fait. On revient toujours sur les mêmes jeux. Bon là il fait beau, il fait frais et on a une heure. On se met à 5 heures. On ne devait pas avoir de double et on commence par un double. En gros, c'est ça. Le jeu nous punit, hein. Le jeu nous punit de ne pas avoir pris ceux qu'il nous a donnés tout à l'heure. C'est bête. Après, on pourrait très bien tomber coup sur ce qu'on veut. Ne vous inquiétez pas, avec Kigema et Mouche, j'en ai encore dans ma maison. Donc ça, c'est bon. Mais là, on fait vite, hein, maintenant. Pikmin et Luigi's Mansion. Écoute, Luigi's Mansion, on l'a fait avec Cookie Coccinelle. Donc, on était à deux hein, pour le faire. Et on a accroché ni l'un ni l'autre. Du coup, on l'a revendu. Franchement, à deux, il fallait s'attendre sans arrêt et tout. Et on a trouvé que c'était pénible, quoi. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est pareil, Sab. Même chose pour moi. Moi, ils me disent tous, là, ils me disent, ouais, on t'a acheté deux jeux pour ton anniversaire, et puis au final, t'es toujours sur Animal Crossing. Ah ouais, et puis alors, quand t'as 4 Switch avec Animal Crossing, tu vois bien, quoi. Ah, quelqu'un qui est caché. Il y a quelqu'un qui est caché ici. C'est qui? Quelqu'un qui est caché. Qui est caché? Oh. Je me disais, peut-être se chanter sur le coup, il y a encore un double. Pas parce qu'on a changé d'œuf que ça change quelque chose. Moi, bon, j'aime bien la couleur de ciel. Ouais, tu vois bien, j'ai 4 Switch avec 4 fois Animal Crossing. Comment veux-tu aussi? C'est sûr, hein?
Bon, allez, avec tes tongs, quoi. Ramène-nous quelqu'un de bien. Et joye. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, depuis un moment, c'est pas top, hein, quand même. Hein. Là, c'est pas top. Hein. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Et c'est de pire en pire, les gens. Oh mon dieu! Je crois que lui, c'est un des pires du jeu, quoi. Wow. Je me souvenais même plus qu'il était dans les paresseux, celui-là. Ça m'a l'air pour le coup, fait tomber sur un gorille, tu vois. Ah là 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 là! Quelle horreur! Non, lui, il est moche, hein. J'ai jamais vu un. Je crois que dans les gorilles, je crois que c'est le plus moche, lui. Ah non, il y a une fille qui est très moche aussi dans les gorilles. Je parle pas de Gertrude. Hein. Je parle d'une autre. Un peu rose foncé, là, qui est affreuse. Allez, 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 allez! Faites quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fasse une danse. La danse de la gourmandise pour faire venir des petits gourmands là. Allez! Zut de zut! Pour choix positive. Allez. Choix positif. Non, mais vous croyez que c'est exprès quoi? Franchement. J'en ai marre de la Bertha, là. Ils nous remettent les moches, en plus. Encore si on avait des doubles dans les beaux, quoi. Mais c'est des doubles dans les moches. Ah ben ouais, ce soir, c'est hippopotame, gorille, poule. Ah, c'est dingue, hein. T'as vu ça, un peu? Et je te dis, hein, ça leur a pas plu qu'on ait refusé les dons qu'ils nous ont donnés. On a fait les difficiles. Et puis comme d'hab, un truc à pas faire sur Animal Crossing, faut surtout pas faire les difficiles. Sucrète, elle était parfaite. Hein. On aurait dû la prendre en fait. Des fois, petit coccinelle, quand il commence une île ou comme ça, quand il a pas envie de ce que c'est que j'aime bien chasser, il me dit « Allez, tu me chasses mes habitants !» Et c'est moi qui lui chasse. Non mais vous y croyez? Non mais là, ça va pas du tout, quoi. Ah mais c'est quand même dingue, ça. C'est quoi cette histoire? On saute de l'une à l'autre là en ce moment. Mmh, c'est cool, ça. D'habitude sur les îles au bambou me portent relativement chance d'habitude. Là ce soir pour le coup on n'a pas trop de chance. Hein. On n'a pas eu beaucoup de mignons hein, quand même. C'est pas comme pour Avatar, hein, pour notre île Avatar. On n'avait eu que des mignons, quoi. On avait eu une chasse de dingue. Il n'y avait que des mignons, c'était génial. Alors là... Regardez ce que je disais, hein, Marvin, tout le temps, on l'a en chasse. Et ben là, rien à faire. Allez, il faut qu'on en trouve au moins un avant 21h. Hein. Un bien, quoi. Parce que bon, c'est pas cool cette histoire.
Si jamais je retombe sur encore des mochetés là, je rechange à nouveau l'heure. Capri, on l'a déjà eu. Ça ne me convient pas du tout, ça. Je pense qu'on va se mettre à une autre heure. On va essayer d'aller peut-être à 10h du matin, un truc comme ça. Changer, hein. On va se mettre un peu juste avant l'heure de midi, là. Voir si ça fait un changement. Je vais aller rechercher les tickets. Qu'on soit pas en rate de tickets, ce serait bête. Alors, je vais pas reprendre 1000, hein, parce que de toute façon, je vais pas faire un live jusqu'à 10h du matin, hein, c'est le cas de le dire. Oh, pousse-toi, toi, tu es là, lui. On a vraiment pas de bol, hein, sur la chasse de ce soir, hein. Mais faut que j'arrête de dire ça, parce que je pense que plus je dis ça, et puis moins ça va marcher, quoi. Allez, ma cocotte. On va se mettre à une autre heure. On va se mettre... On va se mettre sur les coups de 10h. On verra. C'est jamais, des fois que ça change. Moi, on m'avait dit qu'il y a des heures où il y a des persos qui sortaient plus que d'autres. Mais ça, c'est pareil. Hein, c'est de la rumeur aussi, ces trucs-là. Moi, je crois, je suis pas sûre de ça. Allez. Hop. Du coup, hop. Allez, on va se mettre à 10h26. Et on verra ce que ça donne. Hein. Il n'y a personne qui va demander sur le jeu du milieu, sur Get Fit, là. Get Fit Switch. C'est un jeu de sport. Et franchement, je l'ai démarré la semaine dernière. Il est chaud patate, quoi. Ah, punaise. J'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Sur la première fois où j'ai joué, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Waouh. Parce que bon, je fais quand même pas mal de sport, donc je me dis... Ah, je vais mettre niveau intermédiaire. Ah ben non. Bon, j'ai baissé, j'ai mis niveau débutant, quoi. Parce que franchement, le jeu, il m'a tué. Hein. Ah la vache. Bon. Allez, go, go, go. Go, 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 nous sommes à 10h du matin cette fois, et il nous reste pas beaucoup de temps. On va voir ce que ça donne. Hein. Là, bien jour, bien... Voilà, pas de matinée, tout. C'est de vrai, là. Allez, go. On va voir si c'est l'heure du mignon. À 10h du matin. Hop, c'est parti. Oh, je vais en trouver un avant la fin du live. Ça va m'énerver autrement, là. Ça me prend de la tête. Hein. Je suis capable de faire un live un peu plus long à cause de ça. Déjà que la loupe est chocolat l'autre jour et que j'ai eu juste après le live, on va pas faire la même chose ce soir, hein. C'est bon, quoi. N'importe quoi. Non, mais t'as pas eu de... Guillo Clochette. Terrible. Franchement, on a que des moches. Que des moches, quoi. Jamais eu. Là, vraiment, c'est pas une bonne chasse. Hein. Vraiment, je pense qu'on est vraiment pas aidés ce soir. J'en ai marre. Ah, beau. Et puis en plus, plusieurs fois. Mais je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis que ça va arriver. Ça va arriver. Ça va nous faire ascenseur. Faut danser la danse de l'habitant ultimate. Ça va faire ascenseur.
émotionnel, tu sais. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Tout est possible. C'est une souris, mais c'est pas grave. Au moins, c'est quelqu'un de nouveau. Au moins, c'est quelqu'un qu'on n'a pas eu. Que j'ai déjà remarqué ça aussi. Après, c'est peut-être des idées que je me fais. Mais j'ai déjà remarqué qu'après une série de moches ou de doubles, et ben, bam, tout d'un coup, il y a des nouveaux qui reviennent. Je sais pas, ça me l'a déjà fait plusieurs fois, ça. Alors après, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Hein. Mais je crois que j'ai déjà... C'est pas la première fois que j'ai ce sentiment-là. On va bien voir. Allez. Au moins, la souris, là, on l'avait jamais vue. C'est quoi la danse de la vitange? Je sais pas moi. Tu peux me montrer? Il faut me montrer ce que c'est? Ah là là, puis Dieu sait qu'il y en a. Hey, je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit que d'un coup on allait la voir. Vous voyez qu'il faut rester optimiste. Ah ben là on est là on discute quoi. Hein? Voilà. Là on cause. Là. Ah ben oui, ben elle est parfaite. Ah ben là on va pas changer d'idée à 14h. Hein, là on va pas se dire on la prend ou on la prend pas. Hein. Ah bah oui. Ah bah ouais, là on y va direct hein, là. Ah la coquinette. Ah bah oui, bah là elle est parfaite. Hein. Mais oui, elle est tellement mimi. Là pour le coup je suis contente. Hein. Et on va la prendre comme il faut en photo. Voilà. Allez, c'est parti. C'est bon, voilà. Hein. Une fois qu'elle a parlé de ton mythe, je peux repartir. Hein. On est bien. Et ben, on a encore le temps de faire quelques tickets. Donc c'est cool. Peut-être qu'on va en trouver un deuxième. Hein. Allez, on en a déjà un. Cool. Donc on a déjà notre vive là. Donc là, on va avoir plus que des normales et des paresseux. Donc ça réduit encore le. Allez, on est dans. Allez, allez, allez on est dans un bon. On est dans un bon. Comment on dit? Quand on dit. Non, j'ai pas du tout mis de parcelle. T'as pas besoin d'être de parcelle pour aller en chasse au début. Mais après, t'es sûr que sur les parcelles, c'est ceux que t'auras pris en chasse qui vont venir. Une fois que t'installeras tes parcelles. T'es pas obligé de mettre les parcelles. Tu peux aller en chasse avant les parcelles, si t'as des tickets. Bon allez, là on a un petit Marvin qui va arriver. Ça serait cool. Hein. Ça serait cool si on avait tout ce qu'on veut là, juste à la fin du live. Ça serait génial. Hein. Bien sûr, mais après il faut des tickets. Donc moi, je les ai piqués sur mon autre île, hein, les tickets. Hein. Mais... Ouh, la Marilou m'énerve. Ah ben oui. Dès que Tom Nook t'installe le... Comment? C'est sur le...
les nookstops là, dès qu'ils t'installent le truc des maïs, c'est bon. Tu vois? Oh Monica, cool. Dès qu'ils t'installent le truc des maïs sur la borne, et ben après, c'est bon. Tu peux aller voyager et il y aura des habitants sur les îles. Et ça sera que des normales, que des giles, que des paresseux. Du coup, c'est très intéressant de faire la chasse à ce moment-là. Parce que ça réduit le nombre d'habitants. T'as que les trois caractères-là, donc t'as plus de chances de tomber sur ce que tu veux, quoi. Moi qui adore faire les chasses, dès que j'ai la possibilité, j'y vais, quoi. Bon, du coup, on a la petite cookie. C'est très bien. Mais tu sais, hein, je veux dire, nous, on l'a appris en faisant, hein. Ah tiens, on ne l'avait pas non plus celle-là. Bon, je ne l'apprendrai pas, bien sûr, mais c'est une nouvelle, hein. C'est René, je crois. C'est ça. C'est bien. On est dans une vague de nouveau, là. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est très bien, ça. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait bien tomber sur un deuxième. Ah bah oui, l'idéal étant de tomber sur Marvin et puis après de tomber sur Melba. Ça serait parfait. Marvin Melba, ça me le ferait bien là. Allez. Aster, tu adores? Ouais, et bah écoute, Aster, quand on cherchait le début de l'île, là, je cherchais Choco, Aster, on est tombé sur elle au moins, je ne sais pas combien de fois, au niveau de l'aéroport, j'en avais ras-le-bol, alors que je trouve qu'elle est mignonne, hein. J'en avais vraiment marre d'Aster. L'île au bambou, allez, 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 normalement c'est une île, une porte-chance, l'île au bambou, ça serait cool! Dommage. Mais on l'a pas eu. Donc, on est bien dans une vague de nouveau. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, c'est bon parce qu'on n'a que des habitants qu'on n'avait pas eu encore. Alors qu'avant, on n'avait que des doubles. Hein. Donc là, on y va là. Hein. Là, on voyage. Hein. À fond, parce que ça veut dire qu'on va peut-être tomber sur quelqu'un autour de quelqu'un veut. Bah déjà Cookie c'est génial, je suis contente, hein. Elle est tellement mignonne. Allez, on est sur les poulpes en plus là, donc ça tombe bien. On veut le Marvinou, d'habitude comme je vous dis, je l'ai plein de fois en chasse. Donc c'est cool quand même qu'on le laisse soir, hein, franchement. Voilà, Cookie, elle est mignonne, c'est parfait. Donc elle va nickel. Mais moi, j'ai toutes les cartes amigo, ça va. Mais du coup, j'adore tellement faire des chasses. Et puis c'est ce que je disais l'autre jour. C'est tellement... Hey, la Marilou, mais elle nous embête là. On a Marilou à nouveau, Marilou à nouveau, Marilou à nouveau. C'est bizarre. Mais c'est tellement plus satisfaisant de les trouver en chasse. Plutôt que de les mettre avec des amiibos, c'est tellement facile. Enfin, là, je sais que j'en mettrai forcément avec des amiibos. Mais le plus que je peux trouver en chasse, je le fais. Parce que voilà, je trouve ça super sympa, quoi. Oui, bah, les tickets, c'est bon. On a encore ce qu'il faut. On est parti. Un petit deuxième, ça serait bien, là, pour ce soir. On n'en a plus qu'un à trouver, hein? Oui, bah, tu peux récupérer des ressources aussi, exactement. Hey, n'importe quoi, là. J'ai pas cliqué, là, oui. J'ai fait trop vite. Voilà. Allez, go! Bon, si on en trouve déjà
Franchement, une, c'est bien. On en trouverait deux, ce serait encore mieux. Trois, j'y crois pas. Trois, j'y crois pas. Je pense pas qu'on ait trouvé trois ce soir. Hein. C'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on ait gros coup de bol là. Mais bon, j'y crois pas. Il est 21h. On va faire 21h. Après, bon. Je peux faire encore quelques tickets. Hein. On va voir. Waouh, on a déjà eu ici, lui. Oui, c'est vrai ça. Même si t'as pas d'abonnement, tu peux quand même aller en chasse. Ça, c'est cool. Mais bon, je trouve quand même que l'abonnement, ça reste un peu indispensable quand même. Hein. Moi, sans abonnement, j'ai mangé. Non, j'ai pas mangé. Mais j'avais mangé à goûter, donc ça va. Je mangerai après. Je ne mange pas trop lourd ce soir. Je vais me faire un petit tomate mozzarella, ça va être très bien. Tomate mozza, petit yaourt, nickel. Ça va aller très très bien. Non, puis je sais qu'il y en a, qui mangent devant leur live et tout, moi je fais pas ça. Ouais, bah moi aussi, je crois que ça renouvelle aussi, là. En plus de ça, j'avais eu un super tarif pour l'abonnement familial. Et là, bah, ça repasse au tarif normal, quoi. J'avais payé 21€ le tarif familial. Et là, du coup, je repasse à 34, c'est ça, hein? Après, bon... On a 6 switches déjà sur l'abonnement familial, hein. Donc ça vaut le coup quand même. Hein. Allez, c'est ce que je vais faire, je vais finir mes... Je prends la carte à Fnac, ok. Je finis mes tickets, d'accord. Je finis mes tickets, à moins que je tombe sur quelqu'un d'autre là. Mais je finis mes tickets. Et puis après j'arrête. Toi, tu payes un abonnement mensuel à 73 centimes par mois. Bah, dis donc, c'est vraiment pas cher. C'est bizarre, ça. Mais c'est un abonnement individuel de toute façon. Mais bon, c'est vraiment pas cher, dis donc. Incroyable. Incroyable. La Marilou, je crois qu'elle est vraiment prévue pour venir. C'est ça aussi que je me dis des fois. Je me dis qu'il doit y avoir des habitants qui sont prévus pour venir sur votre île. Et en fait, on porte le jeu à mettre quelqu'un d'autre. Et moi, je pense qu'il y en a qui sont prévus. Parce que, par exemple, la Marilou, là, c'est pas normal qu'on lui tombe dessus sans arrêt comme ça, quoi. C'est qu'à mon avis, elle doit être prévue pour venir... 20€ pour un an. Ouais, bah ça va, hein. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est cool, dis donc. En même temps, là, je suis en train de regarder. Je crois qu'on peut pas tellement tomber... on peut tomber sur qui, là, du coup? Parce que j'avais mis beaucoup de vives. Donc, au pire, on pourrait tomber sur... Amande. Sur qui on pourrait tomber? Parce qu'Amande, elle est arrogante, je crois. Ah ben non, on ne peut pas tomber sur Amande. Qu'est-ce que je raconte? On va tomber sur une arrogante. Du coup, là, ça peut être qui? En normal, Patty, elle est normale. Candy. Patty, Candy, Melba. Et pas lui, surtout. Et Marvin, ça nous fait quand même un petit choix, mais bon, ça vient pas. Hein. Parce que là, du coup, quand on a pris une vive, on peut plus tomber sur ketchup, Marine, tout cela, quoi. Hein, Cookie et compagnie. Parce qu'elles sont vives, donc là, ça marche pas. Il reste combien de tickets? Allez, 20 tickets. On fait les 20 tickets qui restent et après j'arrête. À moins que je trouve quelqu'un avant.
Pour quelqu'un là, je... Allez. Hop. C'est parti. Chai, je sais pas ce qu'elle est, Chai. On avait dit qu'éventuellement on la prendrait. Ah mais oui, mais Chai... Non, c'est pas possible. On va pas lui tomber dessus là. Mais non, Chai, on peut pas lui tomber dessus. Parce que c'est une Sanrio. Il ne va pas venir absolument avec la carte. Elle, nous. Oui, bonne soirée. Bisous, coccine. Non, mais regardez. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a quand même un truc bizarre avec cette Marilou. Ça fait au moins 10 fois qu'on l'a hein. Donc il y a quand même un truc chelou. C'est pas normal. Je pense que... Ouais, Chai, c'est une Sanrio. Faut que je la fasse venir avec la carte. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que la Marilou, là, à mon avis, elle est prévue sur mon île. C'est pour ça que la remette, quoi. Truc de fou, hein. Quand même. On la veut pas. Bonne soirée, ma petite coccinelle. Bon, allez, on va quand même bien avoir encore de la chance sur les derniers. Allez, un petit deuxième et puis on sera content pour ce soir. C'est bien, en plus, vous restez avec moi, c'est gentil. Que des fois, après 21h, il y a des gens qui s'en vont, mais là, vous restez avec moi, comme ça, je vais pas toute seule. On n'a que Marilou. Ah, on l'avait pas eu. Ah, peut-être des nouveaux, alors. On l'avait jamais eu, elle. C'est Pocket, c'est ça? Comme ça, il me semble. Allez, on va peut-être avoir des niveaux là, on va voir. Et oui, c'est vrai que c'est pas cher. Mais non, mais moi là, bon, je continue. De toute façon, il me faut mon abonnement familial et puis on est tous dessus. J'ai fait la difficile avec Secret et voilà. Ben ouais, t'as vu. En tout cas, Secret, c'est une vive, hein, donc du coup, on a trouvé. On a trouvé Cookie à la place et on est bien content d'avoir Cookie finalement. C'est normal qu'il nous faut là. J'aurais bien trouvé Candy ou tu vois Melba. Candy, Melba. Puis là ça serait cool quoi. Candy, Melba. Et puis Marvin ou Marvin. Ça serait cool. Patty, hein. Patty, je crois qu'elle est normale. Je crois qu'elle est normale, Patty. Cachou, je sais pas ce qu'elle est. Cachou, je crois qu'elle est vive. Eh ben la voilà. Eh, vous voyez que j'ai raison de continuer, hein. Eh la voilà. Bon bah elle, on la prend, hein. Vous êtes ok, hein? Bah oui! Eh ben voilà! Non, non, on fait bien, on a bien fait, on a bien fait, on a bien fait! Mais oui, je me disais, mais petit, mais je crois qu'elle est normale en fait! Ma fraise, hein? Bien sur mon île, allez! Eh ben oui, hein? Mais non, c'est sérieux, je t'assure. Elle fait des fleurs de joie. Non, mais elle rigolote, elle va bien, elle va très très bien sur ce thème. Allez, je fais ça bon. Voilà, c'est cool. Bon, il nous reste... Allez, on fait les 17 tickets qui restent, ça se trouve, on va trouver Marvin. Hein. Maintenant, on va tomber que sur des paresseux. Hein. Donc, pour le coup, si ça se trouve, on va avoir de la chance. Hein. On va voir. Hein. Là, on n'a que des paresseux.
Il y en a beaucoup des paresseux. Oui, elle est chou, c'est cool. On est content. Hey, Cookie Patty, voilà quoi. Hein? Franchement, ça le fait bien. Hein? Puis Patty, c'est pareil. Hein, je veux dire, qu'elle ait n'importe quel nom en anglais ou n'importe quoi, avec sa fraise, elle reste une fraise. Hein. Allez, là on a que les paresseux. Donc, oh là là, Marvin, et là on aurait le trio quoi. Le tir c'est gagnant, les gens. Hein. Ça serait trop génial. Hein. Ça serait trop cool. Après, on avait dit, il y avait Guido aussi, hein, je ne l'ai pas pris tout à l'heure, mais... Mmh. Ah, ça fait penser à Monsieur Cotinel. C'est lui qui l'a en parésie de Tronil. Allez! Ouais, non, là, pour le coup, en parésie, je crois qu'on a plus trop de choix. Qui pourrait aller, hein. Allez, c'est parti, on y croit. Hop. Là, c'est bien parce que du coup, voilà, on n'a plus qu'un seul caractère. On a quand même des grandes chances de tomber sur celui qu'on veut, normalement. À moins qu'ils nous mettent 46 000 fois un double. Mais normalement, on est pas mal, hein, là. Là, pour trouver celui qu'on veut, c'est Marvin en 1 et Guido en 2, au pire. Hein. J'ai pas vu, il y a personne qui. Ah non, c'est un. C'est qui un... Je sais pas comment s'appelle celui-là. Laisse tomber, il est moche. Il est moche. Sur la ville, on aurait déjà nos trois premières parcelles de fête. Ce serait super quoi. Puis on les. Voilà, la satisfaction de les trouver. Hein. Il nous reste combien de tickets? 15. Allez, on y croit. Hein. Non, là tu peux choisir. Là tu peux choisir que les trois premiers pour le moment. Parce qu'après il faudra installer les trois parcelles. Donc là tu choisis. Ta vive, ton paresseux et ta normale. Hein? C'est même le paresseux, la vive, la normale. Dans l'ordre, je crois. Ouais, va manger. Du riz, si t'es malade. Du riz, des carottes. De la compote de pommes. Si t'as la gastro. Ouais, donc je disais, tu choisis donc les trois premiers. Après, il faudra leur faire leur parcelle. Après, il faudra construire le camping. Et le chic du camping, on est obligé de le prendre. Et là, on n'a pas le choix. Et en plus, oh mon Dieu, quelle horreur. Et là, en plus, en chic, bah, il n'y a pas beaucoup de choix pour une gourmandise. Hein, j'ai regardé. C'est vraiment pas top. Bonne soirée, va manger, Fab. Et surtout, bah, j'espère que ça va aller. Hein. Tu te soignes. Je coupe ma frange, moi. J'ai les cheveux qui sont trop longs. Ça me brille dans les yeux, ça m'énerve. Ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Allez, hop. C'est parti. Wally, voilou.
On a eu pas mal de nouveaux en plus dans le paresseux là. C'était des moches, mais c'était des nouveaux. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, Marvin, on l'a pas eu. Je vous le dis, hein, ça fait au moins 10 fois que je le dis. Normalement, c'est un habitant qu'on trouve beaucoup. Lui, c'est un... Il est horrible, celui-là. Mais on l'a jamais eu non plus. Donc ça, c'est bon. Allez. Allez, on y croit, hein. On y croit. C'est à Guido, je le prends. Comme ça, on sera tranquille et puis on verra après pour si on doit faire des changements. Elle est qui avec grignote aussi. Hein. Je serais bien capable de tomber dessus. Alors que j'ai pas du tout envie d'y tomber dessus parce que ça va me déterminer. Grignote, du coup, j'étais pas loin de me dire que c'était pas mal, quoi. J'ai déjà eu, en plus, il est mis grignote. Hein. Mais c'est juste pour grignote parce que le reste, il a rien à voir avec la nourriture, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Je vous avais dit que dans les paresseux, c'était pas top niveau. Hein. Pour une île friandile, c'est pas gagné. Rien de bien. C'est comme pour les chics, je crois que pareil. Chic, y'a rien. Hein. Ah, oh, lui, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Justin. Je l'avais vu, hein. Mais bon, si je prends un cochon, je prends le jambon plutôt que Justin. Ouais, parce que Justin, ça fait Justin Bridou, quoi. En fait, c'est très français, hein, pour le coup. Hein. Mais bon, non, il ne tente pas trop. Mais bon, c'est un nouveau, hein. On a plein de nouveaux, hein, pour le coup, là. Je l'avais vu, lui, hein. Je m'étais dit Justin Bridou. Mais bon, ça va chercher loin, quand même. Pour le coup, ça va chercher loin au niveau de la gourmandise, de... Voilà. Je trouve. Il y en a qui vont pas faire le lien avec Justin Bridou, quoi. On va voir si on a bien fait. Oh, on voit notre tiercé, hein. On n'a pas passé 3 heures comme ça pour pas voir ce qu'on veut au bout du compte, hein. Je suis très... je suis optimiste, mais je suis très... comment on dit? Je suis quelqu'un de très déterminé, hein. Donc, quand on veut quelque chose... je suis un bélier, hein. Donc, quand je veux quelque chose, généralement, je vais au bout, hein. Je suis comme ça, moi. Je suis pas du genre à laisser tomber. À ce niveau-là, j'ai ce caractère-là, hein. C'est tout des nouveaux. Allez. Bien, ça c'est un petit Steven, je crois. Croquette. Ouais, tu sais que j'y avais pensé à Croquette. Sauf que les yeux blancs, ça gêne pas. Il a des yeux très blancs quand même, Croquette, hein, non? Je sais, j'ai vu aussi. Ouais, on va lui tomber dessus juste après, là, tu vas voir. Parce que c'est les yeux blancs qui me gênent un petit peu. Mais bon, après... oui, c'est Croquette, je suis d'accord. J'y ai pensé. Quand j'avais fait le tour, ouais. Effectivement. Non, on va lui tomber dessus juste après, là. Vu qu'on vient d'en parler. Déjà, on ne peut plus avoir Marilou. Ça, c'est bien. J'en avais marre, hein, de la Marilou, hein, franchement. Hein. Bah, il a les yeux blancs, quoi. En fait. Donc, c'est un peu chelou, hein. Alors. Non. Ah là là, c'est Bono, lui. Que des nouveaux, hein. Des vues. Franchement, il y a moyen, hein. Il y a moyen qu'on fasse un tiercé gagnant, les gens, hein. Franchement, hein. Je le sens mieux que tout à l'heure, là, le truc, hein.
que là, du coup, on n'a que des paresseux. En plus, on a plein de nouveaux, là. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Combien de tickets? 10. Eh, ça peut le faire, hein, franchement. Hein. Épicure, juste pour le nom. C'est un paresseux? Ouais. Éventuellement. C'est vrai. Ça pourrait. J'ai jamais eu en plus cet habitant. Ben, Croquette non plus, hein, pour le coup. Hein. Là, il n'y avait pas Nonos aussi. Mais Nonos, alors là, carrément, ça fait bizarre, quoi. Je crois qu'il y a Nonos aussi. Oui, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, Épicure. Il y a Nonos, mais alors là, pour le coup, ben, ça fait pas tellement... ça fait nourriture finie, quoi. Coco, nouveau. On l'avait pas eu non plus. Oh là là, on a tous les paresseux les uns après les autres. Et je serais capable d'aller chercher une dizaine de tickets dans ma maison, ouais. Je serais capable. En même temps, avant, je faisais mes lives jusqu'à 21h30, hein, donc ça va pas changer beaucoup, là. Allez, allez, allez. Ah, je me sens bien. Allez, on va mettre une bonne énergie dans la fin de ce live. Pour choper un joli petit paresseux. Allez, 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 on veut. On va voir. Donc on a dit Guido, on a dit Marvin. Marvin même, on sera en 1. Ensuite, on a dit éventuellement Croquette et Épicure. Pourquoi pas. On peut voir. Épicure, je trouve rigolo avec, je le trouve rigolo avec cette petite pelote de vent là. Oh, Ross Steven. C'est sûr, on va finir par prendre le double à force, hein. J'espère qu'on va pas se prendre une série de doubles là. Allez. Hop. Oui, allez, on y va. Allez. On veut pas de double, on veut des nouveaux et ce qu'on veut. Allez, allez Maurice. Allez Maurice. Allez, une pêche. Oh, je vois de loin. C'est un Calyx. Oh, finesse. Et on l'avait pas eu, hein. Alix. Nouveau, hein. On n'avait pas eu non plus. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit. Alix, je trouve pas souvent, hein. Franchement, en chasse, quasiment jamais. Hein. Allez, allez, combien on a de tickets? 7. Je vous dis, je suis capable d'aller en rechercher. Hein. La fille. Alix, la fille. Ah ben non, là, on ne veut plus avoir de fille. Hein. Donc, le veut pas possible. Hein. J'ai chaud. Elle me donne chaud, cette chasse. On veut mieux. Allez. Allez. Allez, les paresseux. Allez, les paresseux gourmands. De toute façon, ils sont tous gourmands, les paresseux. En même temps, on pourrait bien prendre n'importe lequel. Il nous parlerait de nourriture. Hein. De toute façon, hein. De toute façon, n'importe quel paresseux nous parlerait de nourriture. Il nous prend beaucoup. Je parle, on y croit, on y croit, c'est une porte-bonheur, normalement. Normalement. Oui, oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit.
morceau que j'ai trop de mal à trouver. Il est où? Il a disparu. Il est là. Au final, on a la brochette, les gens. C'est cool. Ah, c'est génial. Oui, mais oui, c'est top. Très bien. Allez, c'est parti. En plus, j'adore Marvin. Allez, c'est parti. C'était le plus beau jour de ma vie depuis que j'ai découvert la recette des nouilles. Je vérifie toujours. Ouais, non, mais c'est bon. Voilà. Oui, c'est cool. Très bien. Ah, c'est parfait. Hein. Ah bah, Chachalou, elle va être contente, hein, parce que elle avait dit... Patty et Marvin, en plus, donc... là, franchement... Ah ouais, là, on est bien. Hein. On est bien, hein, les gens. Hein. C'est cool, hein, je suis super contente. Et merci vraiment à tous ceux qui sont restés jusque là. Parce que si j'avais dû finir toute seule, ça aurait pas été cool, quoi. Ah ouais, là, on est bien. Là, voilà, je suis satisfaite. Je suis satisfaite de ma soirée. C'est cool. Super bien. J'ai l'impression d'avoir fait du sport, quoi. Incroyable. Bon, ils sont où, nos petits chéris, autrement? Attends, est-ce qu'ils sont dans leur maison? Vous voulez vous montrer Choco, quand même? On va quand même aller voir Choco, hein? Oh, c'est bien, écoute. Ça me fait plaisir, c'est Ben. Franchement, super. Et regardez, en plus, Choco, je suis super contente parce que, du coup, il n'a pas l'intérieur asiatique et je trouve que c'est mieux pour lui. Hein. Voilà, Choco, j'adore Choco. Oh, coucou, Jade! Oh, mon Dieu, tu arrives en toute fin de live. C'est dommage, en plus, on vient de faire un super live. On a trouvé trois habitants qu'on voulait en chasse à l'habitant. Et là, j'allais arrêter, quoi. Mais tu pourras regarder le live en replay si tu veux. Coucou mon Angel, et ben c'est pareil, bonsoir, bienvenue sur le chat. Vous arrivez juste à la fin, c'est dommage. Oui, c'est dommage, vous arrivez en fin de live. On a trouvé trois habitants qu'on voulait pour notre nouvelle île. Et du coup, on va arrêter là, quoi, parce que je suis au bout, ça fait 3 heures, là, qu'on est en live. Et on vient de trouver coup sur coup les trois habitants qu'on voulait. Je suis désolée. Le prochain live, ça sera dimanche à 18h30. Hein. Je ne sais pas encore si on fera Animal Crossing ou si on va continuer les Sims. Hein. Moi, je les ai mis sur la plage parce que quand tu mets tes habitants sur la plage, une fois que tu as le remodel, les maisons ne te gênent pas, tu vois, pour faire la déco que tu veux. Et après, bah, tu peux replacer tes maisons une à une exactement là où tu veux. Alors que si tu les mets directement sur ton île, elles sont jamais placées correctement. Voilà pourquoi moi, j'essaye de les mettre au maximum sur la plage, tu vois. Et puis, c'est une technique, hein, en fait. Hein. Et puis après, ben, on est plus tranquille, quoi. Du coup, voilà. Bon, écoutez, les gens, il est 21h30. Je vais vous laisser. Je suis super contente du live qu'on a fait ce soir. Franchement, les gens qui sont restés jusqu'au bout, vous avez vu nos trois habitants. Et c'est vraiment génial. Donc, je vais vous faire plein de bisous. Du coup, là, je ne vais pas retoucher à l'île, on fera ensemble le reste, on fera nos parcelles et tout ça, on les fera venir tout gentiment les trois les uns après les autres. Et puis je sais pas si on fera ça dimanche ou si dimanche on fera Animal Crossing dans les Sims.
Parce qu'Animal Crossing dans les Sims, c'est top, hein. On se marre bien aussi. C'est compliqué à faire, mais franchement, on rigole bien. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait Animal Crossing dans les Sims. On verra, hein. On en reparle sur le groupe Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur le groupe, c'est ACNH Rêve sans S, Rêve de Villageois. Donc, vous nous rejoignez, puis on en parle sur le groupe. Ok? Ça marche? Et puis, eh ben, Seben, si tu veux, tu peux aller voir les autres lives sur ma chaîne YouTube. J'ai tous mes lives depuis le mois de novembre. J'ai tous mes lives sur ma chaîne YouTube Coccinelle, Koxinel Gaming. Sur Coccinelle Gaming, je mets tous mes lives Twitch. Donc, du coup, j'en ai depuis le mois de novembre. Tu pourras voir tout ce qu'on a déjà fait depuis le mois de novembre. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Plus tout le reste, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je fais encore plein d'autres choses. Bon, je vous fais plein de bisous, les gens. Merci, merci, merci d'être resté avec moi pour cette chasse à l'habitant qui était vraiment géniale. Et puis, je vous dis bah, bonne soirée. Gros bisous.